whether you're following along on French or English. You'll be able to select your preferred language at the bottom of the screen. The events will be live over Facebook, and the recording will be made available on isgap.org, our website, isgap.org. But I think at this point we can hand things off to today's convener, Abdurrahim. Tell me, Charles is not here. Charles Small is not here. Can you hear me? Can you hear Abdurrahim, me? I'm not sure we have. Can you hear me? Yeah, the audio might wanna. Is it okay Yeah, now? I. Can you hear me? Daphne, can you hear me? Yes, we can hear you. Charles, Okay. is flying. He won't be able to join today. So he will not make the introduction of the symposium. And you can just do the direct welcome to everybody today. Yeah, Thank on you. behalf of ISGAP, thank you for joining us, everyone. Our executive director, Dr. Charles Asher Small, was hoping to be here, but got pulled away at the last moment. But I want to thank you for joining us for the second part. On our website, you can watch the first session of Exploring Manifestations of Anti-Semitism, emitting from the North Africa region, which was actually done in Arabic. And today we're happy to bring you the second session, which is being brought to you in French. So once again, you can choose your language of preference at the bottom of the screen, be it French or English. And at this point, we'll hand it over to today's convener, Abdurrahim. Thank you. So we start now. Yes. Alors, merci beaucoup. Après le succès du premier jour de ce symposium sur les origines et les manifestations de l'antisémitisme nord-africain organisé le mercredi dernier par l'ESGAP en langue arabe, nous avons l'honneur d'organiser le deuxième jour de ce symposium en français, avec traduction simultanée en anglais et avec la présence des spécialistes dans ce domaine et des chercheurs comme Georges Bensoussan, Daniel Sibouni, Joël Kotick, Fadila Maarofi et Taoufik Aklimandos, et aussi Florence Bergou. Nous commençons alors notre deuxième jour de ce symposium. Mais avant de commencer la première intervention de ce jour, je veux justement souligner ou confirmer que vous pouvez nous envoyer vos questions, soit en français, en anglais ou en arabe, par le biais Question Answer sous l'application. Donc, alors, la première intervention de notre séminaire ou de notre symposium sera par par Dr. Georges Bensoussan sur les racines culturelles de l'antisémitisme maghrébin, 19e et 20e siècle, et ses conséquences sur l'immigration maghrébine en Europe aujourd'hui. Georges Bensoussan, roi Ouelzleblad, marocain, d'origine, historien français, spécialiste d'histoire culturelle de l'Europe du 19e et 20e siècle. Il a consacré beaucoup de recherches pour l'étude des mondes juifs en Europe dans les dimensions de l'antisémitisme, la Shoah et le sionisme. Il était responsable éditorial des mémorials de la Shoah à Paris et il a notamment publié une histoire intellectuelle et politique du sionisme en 2002, Juif Empire arabe, le grand déracinement, 1850 à 1975, en 2002, et plus récemment, l'histoire confisquée de la destruction des Juifs d'Europe. Docteur Georges Bensoussan, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci, bonjour à tous. Donc, comme on me l'a demandé lors de l'invitation, il s'agit de parler bien sûr des relations judéo-arabes au Maghreb, de l'antijudaïsme et de savoir si oui ou non il y a une relation entre ce terreau culturel
et ce qui se passe aujourd'hui en France en particulier, en Europe c'est vrai globalement, mais plus particulièrement en France, au niveau justement de l'antisémitisme. Alors ce qui est frappant, c'est qu'on a affaire à, dans cette histoire des relations judéo-arabes, au Maghreb et dans l'ensemble du monde arabe d'ailleurs, à une réalité qui paraît difficile à accepter et qui est parsemée de réfutations, de dénis, de comportements de fuite, de légendes aussi qui sont fabriquées. La légende la plus célèbre, c'est Al-Andalus du XIIe siècle. Et parfois ça va, cette reconstruction va parfois jusqu'à des réécritures grossières de l'histoire, comme par exemple il y a quelques années, un hebdomadaire de télévision en France, le plus lu d'ailleurs, plus d'un million d'exemplaires de la France, avait titré sur, je cite, « La formidable histoire des Juifs marocains ». C'est un beau titre, mais quand on lisait le dossier, on était assez surpris, quand on est historien de ce passé-là, de lire ceci. L'antisémitisme était inconnu au Maroc avant l'ère coloniale, c'est ce qu'on lisait. Les Juifs bénéficiaient du statut de dhimmi, c'est le mot « bénéficier » qui est assez étrange ici, et quant au départ des Juifs du Maroc, parce que vous le savez, il y avait environ entre 250 000 et 300 000 Juifs au Maroc à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et aujourd'hui il en reste environ 3 000. Alors, quant au départ des Juifs du Maroc, pourquoi sont-ils partis? C'est une question très complexe, on ne peut pas répondre par un seul facteur. Dans l'hebdomadaire, on lisait en gros, le résumé, ils étaient partis parce que les agents sionistes avaient parcouru les villes et les villages du Maroc et avaient forcé la main, je cite ici, forcé la main à une population qui était totalement intégrée dans la société. Fin de citation. Donc, comme si les Juifs marocains étaient partis contre leur gré en Israël. Non, ce n'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. Et ce qui est frappant, c'est que quand on prolonge la réflexion, on peut aller au-delà et on peut voir qu'on est en présence depuis plusieurs décennies d'un déni de l'histoire, en particulier sur l'islam, et qui vient parfois des milieux les mieux éduqués, les plus éduqués. Et un intellectuel français comme Jacques Ellul, il avait très bien expliqué il y a déjà plus de 30 ans, plus de 35 ans, quand il avait montré qu'il était très difficile aujourd'hui, en Europe et entre autres en France, son pays, de parler des aspects répressifs de l'islam. Et comme si un certain nombre d'intellectuels arabisants du 19e et du 20e siècle s'étaient constamment trompés quand ils avaient parlé d'un climat intimidant de l'islam. Et en matière d'antisémitisme, la même chose, Jacques Ellul disait qu'il était très difficile d'aborder cette question, il y avait comme une sorte d'injonction de silence, comme si aborder cette question de l'antijudaïsme au Maghreb, l'antijudaïsme d'origine musulmane au Maghreb, c'était faire le jeu des racistes, faire le jeu des fascistes, faire le jeu des forces d'extrême droite. Il y avait, je veux dire, comme un effort gigantesque face à ce passé-là du 19e et du 20e siècle, et donc forcément à la question pourquoi les Juifs du monde arabe ont-ils quitté le monde arabe en l'espace d'une génération, parce qu'aujourd'hui il n'y en a pratiquement plus nulle part, sauf au Maroc quelques-uns et quelques-uns en Tunisie, sinon dans le reste du monde arabe ils ont disparu. Et bien face à cette disparition d'une civilisation bimillénaire, on est en présence d'un véritable effort pour ne pas voir, pour ne pas comprendre, pour ne pas prendre en considération ce qui s'est passé. Et alors en France en particulier, c'est particulièrement net. Alors, justement, si on se penche sur l'histoire du Maghreb au XVIIIe, au XIXe siècle, qu'en était-il de la condition juive? Bien, si on prend tous les témoignages à la fois des juifs, mais aussi des non-juifs, sinon ça n'aurait pas grand intérêt, et en particulier les voyageurs chrétiens, les diplomates, les militaires, les médecins également, qui ont pu voyager dans ces pays du Maghreb, du Maroc à la Libye, en passant par la Tunisie et l'Algérie. Ce qui est frappant, c'est que tous les témoignages convergent pour dire que la condition juive était très difficile. C'est une condition d'oppression. Je n'ai pas le temps ici, évidemment, de citer ces témoignages, mais je pense qu'ils sont connus du public. Je pense au témoignage de l'anglais William Lemprière en 1790, dans le Maroc. Je pense au témoignage du français René Caillé au début du 19e siècle. Il s'était converti à l'islam et qui avait croisé un certain nombre de juifs au Maroc. Il avait témoigné sur une condition extrêmement violente, extrêmement difficile. Il parlait même d'enfants qui frappaient les juifs qui n'avaient pas le droit de répondre. Je pense à un autre témoignage, cette fois d'un juif, c'est celui de Joseph Halevi, correspondant de l'Alliance israélite universelle, qui est envoyé à Marrakech en 1876.
Et il raconte son entrée au Mella et il raconte comment, à quoi ressemblait cette foule du Mella en 1876, à la fin du 19e siècle. Je cite, il était en présence, je le cite, d'une foule timide et déguenillée, ayant pour toute coiffure un mouchoir bleu tacheté de noir, négligemment attaché autour du cou, portant dans la main des pantoufles rustiques, mais continuant à marcher pieds nus malgré les cailloux tranchants du pavé. Fin de citation. Ce qui est intéressant, c'est les derniers mots. Les Juifs n'avaient pas le droit de marcher chaussés en dehors du Mella. Ils devaient marcher pieds nus. Et ces témoignages-là, ils sont très, très nombreux, très fréquents, à la fois des sources juives et des sources non-juives. On peut élargir le propos en s'appuyant sur l'étude d'un professeur de sociologie au Maroc, Mohamed Enadji, à l'université de Rabat, qui a montré, dans un livre publié en France il y a une dizaine d'années, qui a montré que la relation de pouvoir dans le monde arabo-musulman était marquée par l'esclavage ancien, donc par la violence, était marquée également par la soumission. Et quand on regarde ce qu'était la condition des Juifs au Maroc, c'est très net. C'est-à-dire que la place des Juifs dans cette économie psychique de la soumission, une soumission qui s'adresse à tous les sujets, pas seulement aux Juifs, mais les Juifs sont les derniers des sujets précisément, eh bien c'est assez frappant qu'il faut replacer la condition juive dans la conception du pouvoir dans le Maroc traditionnel, selon Mohamed Enadji. Mais on peut encore élargir la réflexion en se posant la question qui est désormais très classique, de savoir quelle est la présence des Juifs dans le Coran. Et on sait qu'il y a évidemment des sourates favorables et des sourates défavorables, mais les sourates qui sont les plus violentes et les plus défavorables sont les sourates médinoises, donc de la deuxième partie du Coran, de la partie la plus récente du Coran, qui donc l'emporte sur la partie la plus ancienne du Coran, qu'on appelle les sourates mécoises. Alors, en gros, si on résume, la place des Juifs dans le Coran, c'est celle d'un peuple élu, mais qui a perdu son titre à l'élection, parce qu'il a trahi le message des prophètes et parce qu'il a, d'une certaine façon, démérité. Et donc, la place des Juifs dans l'islam, c'est une place qui est marquée par la soumission, c'est le statut de dhimmi, dont je vais dire un mot dans un instant, et par la dévirilisation. C'est très important, cette dévirilisation, parce que le Juif est constamment présenté dans les pays du Maghreb, au 18e au 19e siècle, dans les textes traditionnels, comme l'être de la peur, de la mort, et j'ajoute ceci comme l'être dévirilisé par excellence, le sujet féminin par excellence, c'est-à-dire un sujet par définition particulièrement méprisé. Bon. Je rappelle ceci, c'est que dans une civilisation où l'homme porte traditionnellement une arme, le juif n'a pas le droit de porter d'arme. Et ne pas avoir le droit de porter une arme, c'est précisément ne pas pouvoir se défendre. J'ajoute un deuxième point qui pourrait sembler un détail dans ce Maghreb traditionnel du XIXe siècle, c'est qu'il arrive souvent qu'un caïd, ce n'est pas toujours vrai, mais ça arrive fréquemment, qu'un caïd interdise dans sa région aux femmes juives de se voiler. Il ne s'agit pas tellement d'humilier ici la femme juive, mais plutôt d'humilier son mari, l'homme juif, parce qu'il n'est pas capable de protéger sa femme du regard des autres. Et donc, d'une certaine façon, incapable de protéger sa femme et tous les siens de la violence ambiante, d'une certaine façon, il est dévirilisé, il est considéré lui-même comme une femme. Et ça explique aussi que dans cette vision traditionnelle au Maghreb, du juif, alors au Maroc en particulier, mais pas uniquement au Maroc, le juif, c'est l'être de la peur. Je m'appuie ici sur le témoignage d'un journaliste marocain, il s'appelait Saïd Galab, qui en 1965 a témoigné dans Les Temps modernes, la revue de Jean-Paul Sartre, sur son passé d'enfant musulman d'un quartier pauvre de Casablanca. Et il raconte qu'un jour, son père lui demandait d'aller chercher de l'eau au puits, et c'était le soir, c'était la nuit, il n'y avait pas de lumière, et il a eu peur. Le père s'en est aperçu, il lui a dit « tu as peur ». Et il ajoute « tu es peureux comme un juif ». Et Saïd Galab raconte dans ses sources, c'est ça, le juif par essence, c'est l'être de la peur. Et l'être de la peur, c'est-à-dire que le juif, c'est aussi le personnage qui, parce qu'il est une femme, ne se défend jamais. Il encaisse les coups, il ne rend jamais les coups. Et il n'a, même quand un enfant le frappe, même quand un enfant lui lance des pierres, il n'a pas le droit de se plaindre, il n'a pas le droit de riposter, il n'a pas le droit même de répondre aux insultes qui peuvent le frapper. Et ça, ça interroge, dans ce Maghreb traditionnel, le statut de dhimmi. Le statut de dhimmi, c'est un statut très ancien dans l'islam qui a été codifié dès les premiers temps de l'islam au 7e siècle, un peu après la mort du prophète. Il a été codifié par ce qu'on appelle le pacte d'Omar.
qui réservait ce statut au peuple du livre, c'est-à-dire aux juifs et aux chrétiens. Et Jacques Ellul, je reviens à Jacques Ellul, dans son livre « Islam, judéo-christianisme », en 1983, il pose la question suivante. Si le statut de Dhimmi, c'est un statut de protection, on peut poser la question suivante, le juif est donc le protégé, mais protégé de qui, de quoi? Dans la mesure où il vit en terre d'islam et donc il n'est entouré que par des musulmans, il est protégé de la violence des musulmans. Il est protégé des violences potentielles de l'islam. C'est de cela dont il est protégé, et de personne d'autre et de rien d'autre finalement. Donc de là, on peut en conclure que s'il est protégé, c'est qu'il n'a pas de droit véritable. Quand il a des droits, ces droits ne sont pas donnés au terme d'une négociation entre des sujets égaux, ils sont octroyés par un souverain qui a pouvoir sur lui, finalement. Bon. Alors, la question qui se pose dans cette très courte intervention, c'est évidemment le lien éventuel entre ce passé culturel extrêmement lourd des relations judéo-arabes au Maghreb et ce qui se passe en France aujourd'hui, où le renouveau de l'antisémitisme est puissant depuis une vingtaine d'années. La réponse est la suivante. Je crois que cet imaginaire que je viens de tracer à très grands traits, ce cadre mental, ce qu'on peut appeler cette économie psychique, ont été introduits en France, effectivement, par une immigration massive, en particulier maghrébine, et qui est l'un des facteurs, ce n'était pas le seul, mais c'est l'un des principaux facteurs du renouveau du judaïsme en France, et en particulier dans sa forme la plus violente. On pourrait très bien invoquer l'extrême droite, c'est tout à fait juste, il n'y a pas que cet antisémitisme-là, sauf que l'extrême droite n'appelle pas à tuer les juifs dans la France d'aujourd'hui, alors que dans une partie de ces populations, aujourd'hui, on a des messages, surtout dans la partie la plus islamisée, qui sont des messages de mort. Bon. Alors on pourrait comme ça multiplier les témoignages dans la France d'aujourd'hui, mais si je prends la journaliste, ancienne journaliste de Charlie Hebdo d'origine marocaine, Zineb El Razoui, elle écrivait en 2018 dans un grand hebdomadaire français, le mot Yaoud au Maroc, elle a vécu sa jeunesse au Maroc, le mot Yaoud sonnait comme une insulte, et elle ajoutait ceci, l'antisémitisme est bel et bien un atavisme que l'on a de fortes chances de têter du sein de sa mère, pour peu que l'on reçoive une éducation islamique standard. Un atavisme certes, mais pas une fatalité. Bon. Et si je prends un autre témoignage d'Algérie, un dramaturge Karim Akouche, qui aujourd'hui vit au Canada, il écrivait en 2016, je suis un respecté de l'Algérie, on lui enseignait à détester les juifs, Hitler était un héros, des professeurs en faisaient l'éloge. Ce qui est frappant, c'est que depuis 20 ans, en France, l'antisémitisme a pris une tournure meurtrière. Nous sommes en Europe le seul pays où 12 juifs ont été assassinés en tant que juifs. Il n'y a pas d'autre exemple sur le continent européen. La Belgique, c'est arrivé en 2014, mais le meurtrier, l'assassin, pardon, en Belgique, est un Français né en France et élevé en France, et qui a d'ailleurs été arrêté par la police française. Ce qui est frappant également, c'est que lorsque le conflit israélo-arabe se réveille au Proche-Orient, ça donne lieu en France à des manifestations très violentes, et par exemple en 2014, lorsqu'il y a eu un énième affrontement entre le Hamas et l'État d'Israël, on a eu un débordement de haine en France, avec des scènes de quasi-pogromes à Sarcelles et à Paris, et sur les réseaux sociaux, des appels à la haine et des appels au meurtre, au point que les modérateurs des réseaux sociaux, ou par exemple les modérateurs du journal Le Figaro et Libération, ont été obligés de couper, de censurer 80% des messages. Cette réalité, elle est connue et elle a été alimentée par un grand nombre de sondages d'opinion qui montrent que dans la population d'origine musulmane et surtout la population pratiquante de l'islam, les réponses à des questions sur l'antisémitisme ou sur les préjugés antisémites sont infiniment plus fortes, nettement supérieures aux réponses de l'ensemble de la population française. Par exemple, 48% des musulmans pratiquants nourrissent des sentiments anti-juifs, alors que dans la population française, c'est 22%. 44% des musulmans croient qu'il existe un complot sioniste mondial, 16% dans la population générale. C'est la même chose sur le pouvoir économique. 74% des musulmans pratiquants pensent que les juifs ont trop de pouvoir économique et financier, 25% pour l'ensemble de la population française, etc., etc. Et encore un autre exemple, c'est lorsque Mohamed Merah
a tué les enfants juifs et les soldats d'abord, mais aussi des enfants juifs et un professeur juif à l'école de Toulouse. Il y a eu d'innombrables cérémonies dans la France entière, mais dans un certain nombre de quartiers qu'on appelle en France les quartiers sensibles, où il y a évidemment une forte population très islamisée, Mohamed Merah était considéré comme un héros. Et l'un des frères de Mohamed Merah, Abdel Ghani Merah, qui lui était totalement en rupture avec sa famille, Abdel Ghani Merah parlait d'un antisémitisme culturel, d'une judéophobie banalisée. Au point que dans certaines banlieues en France aujourd'hui, on est en présence de comportements anti-juifs qui ne peuvent pas ne pas faire penser à un terreau culturel très ancien qui a été importé par l'immigration. Par exemple, un professeur raconte, dans une banlieue française, que des élèves l'ont expliqué, je cite, que lorsqu'on débouche une bouteille de Coca-Cola, on entend le mot juif. D'autres lui ont expliqué que lorsqu'on va au McDo, un euro de chaque addition payée par le client va à l'armée israélienne. D'autres études font état de préjugés antisémites, je n'ai pas le temps ici de développer. Ce qui est assez grave et qui montre qu'il y a évidemment une passerelle entre cet antijudaïsme culturel, ce terreau culturel qui a été importé par l'immigration et ce qui se passe aujourd'hui en France, même si ce n'est pas exactement la même chose, bien sûr, parce que ça a été transformé par l'immigration, ça a été modelé, reformaté par l'immigration, c'est que ces préjugés anti-juifs, on pourrait penser qu'ils disparaissent avec l'éducation et avec l'intégration, et on n'en est pas tout à fait certain pourquoi. Parce que lorsqu'en 2016, et je terminerai là-dessus, lorsqu'en 2016, après les tueries du Bataclan, de Charlie Hebdo, la tuerie de Nice, un certain nombre de personnalités françaises d'origine maghrébine, 41 personnalités exactement, très bien intégrées en France, certains étaient même professeurs de médecine, avocats, professeurs, etc., ont signé un manifeste pour dire tout leur rejet du terrorisme islamiste. Et ils avaient égrené les listes des victimes du terrorisme islamiste depuis plusieurs années. Et ce qui était frappant dans leur tribune, c'est qu'ils avaient oublié les victimes juives. Il n'y avait pas du tout les victimes de l'hypercacher, il n'y avait pas les victimes de Mohamed Merah. Quand on leur a demandé de rectifier, ils ont refusé de le faire. Bon, on peut se poser la question de savoir pourquoi. Donc je terminerai en disant que cet anti-judaïsme d'origine culturelle a été probablement renforcé et reformaté par le ressentiment né de l'émigration, par l'écart culturel avec le pays d'accueil, par des difficultés d'intégration, et tout se passe comme si, pour cette population qui vient du Maghreb, c'est-à-dire qui vient de pays où il n'y a plus de juifs aujourd'hui, c'est plus du tout ce qu'est un juif concret en Algérie, par exemple, il n'y en a plus du tout, eh bien, tout se passe comme si le juif, avec des guillemets, le juif, était la figure fantasmée de la réussite économique, sociale, financière, culturelle. Et tout se passe dans un certain imaginaire d'une partie de ces populations, comme si la présence juive était, comme le disait Jean-Jacques Rousseau, un empêchement d'être. C'est une formule de Rousseau, un empêchement d'être. C'est-à-dire tout se passe comme si la présence juive en France était l'obstacle numéro un à la réussite des musulmans du Maghreb, ou du moins à la réussite d'une grande partie des musulmans du Maghreb. Et donc ce terreau du ressentiment, on ne peut pas évidemment nier qu'il est d'une certaine façon l'héritage d'une longue histoire des rapports judéo-arabes au Maghreb. Voilà, j'en ai terminé, merci. Merci beaucoup docteur Georges Bensoussin. La deuxième intervention sera par monsieur le docteur Daniel Sibouni. Il est d'origine de la Médina de Marrakech. Elle parle encore le dialecte marocain avec un accent bajaoui de Marrakech. Émigré en France à l'âge de 14 ans, mathématicien depuis ses premiers pas académiques, puis il a rencontré la philosophie et la psychologie et il devient psychanalyste. Daniel Sibouni a publié à peu près 45 ouvrages dans différents domaines. Psychanalyse, l'art contemporain, religion, théâtre, ontologie et autres. Son intervention aujourd'hui sera sur le problème de fond entre Arabes et Juifs. La parole est à vous, monsieur Daniel Sibouni.
مرحبا بك بعد عندنا مرحبا شكرا باش تعرف با كو جو بارلي اون دوزيام سي بيان الوغ allons-y. Voilà, je voudrais, justement, je voudrais dire aux amis arabo-musulmans que je peux comprendre que ce qu'on raconte là sur l'histoire des Juifs dans le Maghreb et dans le monde arabe n'est pas très agréable à entendre. Et en même temps, c'est une épreuve, me semble-t-il, intéressante, qui m'amène même à poser la question, pourquoi vous avez envie de combattre l'antisémitisme? Pourquoi vous avez envie de réfléchir sur la vindicte anti-juive et de comprendre ses raisons et d'en combattre les formes modernes ou archaïque. C'est important. Je pense qu'on vit aujourd'hui une époque où beaucoup de choses refoulées, qu'on a plus ou moins édulcorées par du déni, du refoulement, de l'oubli, ces choses-là sont remises sur la scène par les événements, par l'histoire. Et donc, c'est, à mon avis, mon hypothèse, c'est que si les amis arabo-musulmans s'intéressent à cette question, sincèrement, c'est au-delà de la gentillesse, de l'amabilité, du fait qu'ils ont des amis juifs, etc. C'est qu'ils comprennent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le rapport de l'identité islamique telle qu'elle est fondée par des textes majeurs et sacrés. Il y a quelque chose qui ne va pas dans son rapport à l'autre. La figure de l'autre, c'est essentiellement le juif ou le chrétien, l'athée, l'occidental, et peut-être dans une moindre mesure, le féminin. Et alors, on peut toujours prendre des événements, les analyser et montrer qu'en réalité, c'est plus complexe, etc. Moi, j'ai envie d'aller droit au but, c'est-à-dire de reconnaître que périodiquement, il y a des cycles où on dit des bêtises. Et par exemple, la violence n'a rien à voir avec l'islam. Par exemple, les juifs étaient parfaitement bien traités dans le monde arabe, et spécialement au Maroc, etc. Puis la roue tourne et on a envie de remettre en question et de dire, mais pas du tout, regardez, on exhibe des documents, on montre qu'en effet, c'était pas vrai. Et le résultat, ce serait d'arriver soi-disant à une position équilibrée qui dirait oui, il y avait du mauvais, mais il y avait du bon, il y avait du bon, mais il y avait du mauvais, etc. Et je trouve que intellectuellement, c'est pas d'un bon niveau. Et c'est pourquoi je poserai la question plus directe, qu'est-ce qui, au fond, vraiment fait problème ? Ne va pas, non pas de façon constante et continue, il peut y avoir une forte convivialité, puis un moment, quelque chose se produit qui fait que, non, décidément, il y a une différence radicale qui a besoin de s'exprimer et qui, quand c'est l'islam qui a le pouvoir, s'est exprimé, d'une manière assez violente. On peut dire que l'islam a eu, dans le Maghreb, a eu 13 siècles ou 10 siècles pour ajuster son vivre ensemble et nuancer les imprécations coraniques envers les juifs. Et apparemment, il n'a pas senti le besoin
de cet aggiornamento, de cette mise à jour, parce que tout simplement, les minorités en question n'avaient pas la capacité de protester, de réagir. Elles suppliaient pour avoir certains droits, certaines améliorations, etc. Donc, qu'est-ce qui ramène périodiquement cette prévalence du texte fondateur? Il n'y a pas d'autre mot. Puisque, après tout, d'une certaine façon, lorsque des arabo-musulmans font preuve de sérénité par rapport aux juifs, moi je dirais qu'on peut les admirer. Parce que si ce sont des traditionalistes, eh bien, ils sont assez au courant de ce que raconte le Coran sur les juifs. Et c'est pas tellement pour moi une question de telle et telle sourate. Le problème est beaucoup plus intéressant, plus profond et finalement plus humain. Parce que le pourquoi, voilà la question, pourquoi, la question pourquoi des arabo-musulmans en veulent aux juifs, moi j'ai envie de la ramener dans cette courte intervention à pourquoi le Coran en veut aux juifs. Voilà. Or qu'il leur en veuille, c'est évident. C'est évident qu'il les maudit et ils sont pervers, la plupart d'entre eux. Ils ont des rapports avec Satan. Satan, Shaitan. Et dans les traductions, ceux qui lisent le Coran en français ou en anglais, ils voient une fois ou deux Satan. Les autres fois, c'est le démon, le diable, etc. Mais non, dans le texte arabe, il y a 92 fois le mot Satan, la racine Shaitan, et plus d'une fois appliqué aux juifs. De sorte que quand un tueur musulman à Paris a tué une juive, les bons psychiatres et juges ont dit « mais il était fou, d'ailleurs il a pris de la drogue ». En fait, ce qu'ils veulent plutôt exprimer, c'est qu'il faut être fou pour traiter quelqu'un de Satan et le tuer. Mais justement, il ne faut pas être fou, il faut juste être obéissant. Obéissant à la lettre du texte qu'on apprend, qu'on lit couramment. C'est pourquoi je dis mon admiration à ceux qui laissent ça gentiment de côté, d'abord pour leur propre équilibre, parce qu'ils ont envie de vivre autre chose, ils n'ont pas envie de s'ancrer, de se référer à un texte aussi daté, et très bien, mais ça n'est pas de la folie, c'est une certaine façon qui n'est pas extrême, c'est quand soi-même on a une crise de fragilité qu'on le sort sur la place publique, mais sinon c'est quelque chose de très simplement formulé. Ils ont des rapports avec Satan, ils sont satanisés, ils sont diabolisés. Et la question, pourquoi? Et mon hypothèse que j'ai expliquée sereinement dans plusieurs ouvrages, je vous renvoie à un petit livre qui s'appelle « Coran et Bible », je vous renvoie aussi à mon livre « Les trois monothéismes ». Mon hypothèse est celle-ci. Ça n'est pas à cause de la conduite des Juifs de Médine. Pourquoi? Je dirais presque que c'est l'inverse. C'est parce qu'il y avait une violence antérieure envers les Juifs qu'il y a eu, que ça s'est mal passé avec les Juifs d'Arabie. Pourquoi c'est pas seulement à cause des Juifs d'Arabie? Ben que tout simplement parce que le Coran maudit les Juifs qui ont écrit la Bible. وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبُونَ أَيْدِهِمْ. Maudits soient-ils,
pour ce qu'ils ont écrit de leurs mains. Et ils ont écrit des choses qui n'ont pas plu. Ils ont écrit que, par exemple, Abraham a renvoyé sa servante Sarah, sa servante Agar, à la demande de Sarah. Du coup, le Coran ne parle même pas de Agar. Pourtant, c'est la mère d'Ismaël, elle méritait d'être mentionnée. Donc, et il attaque la Bible, la Torah. Et pourquoi il l'attaque ? Parce qu'il veut l'intégrer dans son corpus à lui. Et pour ça, il veut l'arracher aux Juifs. Et pour l'arracher aux Juifs, il faut qu'il pointe que non seulement ils la trahissent, mais que le Dieu les a reniés. Et pour ma part, ces arguments se ramènent à quelque chose de plus psychologiquement simple, c'est que si vous prenez le texte de quelqu'un, si vous vous l'appropriez, eh bien, forcément, vous en voulez à ce quelqu'un, parce qu'il s'est interposé entre ce texte et ses idées et vous. Donc, le Coran, pour mieux s'approprier le message de la Torah et de la Bible, les évangiles, ils s'en servent très peu. L'existence de Jésus, qu'il était prophète, etc. C'est quelques petites anecdotes. Mais c'est surtout de la Bible hébraïque qu'il se sert, de la Torah, des prophètes, les histoires bibliques défilent dans le Coran, réajustées par lui, de manière à mal tourner contre les Juifs. Alors que dans la Torah, ça tourne bien et ça tourne mal. Parce que le Dieu biblique, c'est un peu la vie. La vie vous est favorable et puis vous êtes défavorable. Et si vous aimez la vie vous aime. C'est pas plus compliqué que ça. Et donc, il reprend leur contenu et pour mieux se l'approprier, il a besoin de les fustiger, de les pointer comme mauvais. C'est eux le mal. Bien sûr, c'est magnifique quand on a le pouvoir. Quand on a le pouvoir dans le territoire où domine cette idée, dans les territoires de la Oumma, on peut le proclamer. Sauf que la conséquence négative pour la dite identité, c'est que justement elle est privée de manque. C'est-à-dire qu'elle est parfaite. Si le mal, c'est l'autre, notamment celui dont provient le texte sacré, ben alors on est dans la perfection. Et pour moi, c'est peut-être ce qui explique que le monde arabo-musulman, après avoir connu un bonheur au XIIe siècle, Xe, XIIe siècle, il n'a fait que décliner parce que, quand on est parfait, on n'a pas envie d'aller s'inquiéter des lois de la nature, des lois humaines qui sont tordues, etc. Donc, il y a dans la construction même du discours musulman, il y a du discours musulman traditionnel. Je ne parle pas des fanatiques. Les fanatiques, c'est simplement des gens qui, par moment, sentent le besoin urgent de s'identifier à la défense totale de ce texte. Les autres ne s'identifient pas à cette défense, mais s'identifient au texte et ont un support symbolique dans cette texture. C'est donc au niveau de cette texture qu'il y a un résidu dans l'opération qu'a fait le Coran pour relancer l'aventure monothéiste sous sa signature, il lui est resté un reliquat qu'il a du mal à éliminer, qu'il ne peut pas éliminer s'il ne fait pas une prise de conscience dramatique. C'est que pour s'approprier tout ça, il faut qu'il rejette et qu'il maudisse ceux dont ça provient. Sinon, s'il les admettait alors qu'eux restent en dehors de la Oumma, là, la perfection de la Oumma serait entamée et c'est l'identité narcissique elle-même qui serait menacée. Voilà pourquoi c'est un problème qui est
vraiment profond, symbolique, complexe. Et une fois dans mes conférences, j'en faisais pas mal autrefois, là j'en fais plus parce que là-dessus, parce que c'est toujours un petit peu la même chanson, mais j'avais proposé, j'avais dit, il faut que nous pensions quelque chose pour aider les musulmans à se dégager de cette vindicte anti-juive qui leur est transmise par leur culture, par leur texture traditionnelle et fondamentale. Il faut qu'on trouve quelque chose. Et ce jour-là, j'avais une petite inspiration, j'ai dit, et les musulmans cesseront d'être anti-juifs et traiteront les juifs normalement. Monsieur Daniel, désolé pour la lecture, mais vous avez encore deux minutes. Je vous donne deux minutes. Bien. D'accord. Pas plus. D'accord. Et ils se tireront d'affaire si, parmi ceux qui sont religieux, ils faisaient une courte prière. Et ça se fait, et les juifs font une prière pour la République, et ils font une prière pour d'autres. Donc, une courte prière pour demander à leur Dieu de suspendre sa malédiction envers les juifs. Or, j'ai dit ça dans une conférence, et l'animateur, qui était un sociologue maghrébin, m'a écouté. Pendant que je parlais, il a rédigé une prière en arabe à Dieu pour dire « Mon Dieu, Allah, suspend ta malédiction envers les juifs et les chrétiens qui sont dans cette salle le temps de cette réunion. » Et j'ai compris que ce n'était pas très facile pour lui. Mais en tout cas, il avait réussi à obtenir le temps de cette réunion que la malédiction soit suspendue. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Daniel Sivouni, pour votre intervention. La troisième et la dernière intervention de la première partie, nous avons l'honneur de un multiculturel et multiracine. Il s'agit de Jamila Ben Habib, née en Ukraine en 1972 d'une mère chypriote, grecque et d'un père algérien. Membre d'une famille militante durant la décennie noire de l'Algérie, sa famille a été condamnée à mort par les islamistes en 1994 et ils sont obligés de se réfugier en France depuis 1994, puis Jamila s'installe seule à Québec en 1997, où il a commencé son parcours scientifique en sciences politiques et droit international. Il a travaillé au Parlement fédéral en qualité d'assistant parlementaire entre 2000 et 2004, correspondante permanente au Canada du quotidien algérien Al-Watan de 1999 à 2005. Jamila Ben Habib est une journaliste francophone. Elle a remporté le prix des écrivains francophones d'Amérique en 2009. Puis finaliste pour le prix du gouverneur général, équivalent des Goncourt au Canada. Elle est spécialiste et analyste de l'idéologie de l'islam politique, auteur de 4 ouvrages, Les soldats d'Allah à l'assaut de l'Occident, Le tome des femmes arabes, puis après Charlie, Laïque de tous les pays, mobilisez-vous. L'intervention de Jamila aujourd'hui sera sur l'islam politique en Europe, et simulation, on joue et perspective. La parole est à vous, Madame Jamila Ben Habib. Merci beaucoup pour cette invitation et merci pour cette initiative qui va probablement nous permettre de croiser nos regards et d'échanger nos réflexions, nos préoccupations. Par rapport à des questionnements, des problématiques qui traversent nos sociétés, des sociétés de plus en plus fragilisées, fracturées, travaillées par des courants politiques
qui sont sectaires, violents, racistes. Et c'est dans ce sillage que s'inscrit l'islam politique, qui est un mouvement politique, évidemment, mais qui est aussi et surtout un mouvement totalitaire. Parce qu'il en a en réalité tous les attributs. Il a donc cet amour pour la violence dont il use et il abuse, la haine des minorités, de la pluralité, un contrôle, une limitation des libertés et des droits individuels. Bref, qualifier l'islam politique d'un mouvement totalitaire aurait pu paraître un simple jeu d'enfant. Or, il n'en est pas, puisque précisément, nous peinons à le qualifier de mouvement totalitaire. Et je pense que c'est autour de cette ambiguïté que réside évidemment beaucoup de paradoxes. Parce que si finalement nous étions tous d'accord pour qualifier l'islam politique de mouvement totalitaire et mobiliser toutes nos énergies pour faire face à ce mouvement, eh bien, on en aurait fini depuis longtemps donc, avec ce mouvement. Or, il n'en est rien. Et c'est peut-être autour de cette ambiguïté, autour de ce paradoxe, que j'ai envie aujourd'hui de réfléchir avec vous. Pourquoi est-ce si difficile? Pourquoi est-ce si compliqué? Et en réalité, pour plusieurs raisons, qui me semble assez évidente. La première, c'est d'abord l'ambiguïté des États européens et des États occidentaux de façon générale vis-à-vis de cette question de l'islam politique. Mais aussi l'ambiguïté des élites européennes et des élites occidentales. Donc, c'est autour de cette ambiguïté que je vais vous inviter donc à réfléchir avec moi sur la naissance de l'islam politique, donc mouvement qui est né en Égypte en 1928 avec une certaine complaisance des Anglais puisque les Anglais y ont vu une opportunité pour neutraliser les mouvements nationalistes au Levant et en particulier donc en Égypte à cette époque-là. Cette création donc de la confrérie des frères musulmans qui a été donc instrumentalisée disons par la force coloniale donc anglaise à l'époque a suivi disons son cours et a pris des forces après la fin de la Deuxième Guerre mondiale puisque elle a tissé donc des liens d'amitié, des liens de travail, non seulement avec les Européens, mais aussi avec les Américains, puisque les Américains y ont vu, à partir donc de 45, également une opportunité dans la guerre froide et dans leur guerre contre l'Union soviétique. À l'époque. Donc, pendant cette époque évidemment tumultueuse, il y a eu, entre autres, la création de l'État de l'Arabie Saoudite en 1932. Création de l'État d'Arabie Saoudite grâce aussi à une forme de complaisance et d'accord donc des Anglais qui voyaient d'un bon œil l'installation dans la région d'un État donc frérot-salafiste, donc de la doctrine donc Hanbalite, qui allait servir encore donc à neutraliser les États nationalistes arabes donc naissants. Et donc à partir de ce moment-là, nous avons une pensée islamiste qui a été donc articulé par la confrérie, mais nous allons aussi avoir un État avec tous ses attributs, sa puissance, ses pétrodollars, et à partir des années 60, une ligue islamique mondiale et
l'OCI, donc l'Organisation des États islamiques, qui va donc servir de relais et d'exportation de l'islam politique à travers l'Europe. Et c'est à la fin des années 50 que nous allons donc assister à la création des premiers centres culturels, communautaires, cultuels, appelez-les comme vous voulez, donc d'abord en Allemagne, en Suisse, en Italie, en France, en Belgique, par la suite, à travers des frères musulmans venant d'Égypte, du Levant, mais aussi de Turquie. Et pendant donc plusieurs décennies, ces cohortes donc d'islamistes qui ont été accueillis avec bienveillance en Europe, soutenus par les États-Unis, vont évidemment donc essaimer ici et là, recruter, travailler donc dans le but évidemment de grossir les rangs de leur groupe et renforcer leur pensée. Il va y avoir aussi un moment donc intéressant qui va venir montrer à quel point les élites européennes ont aussi, disons, enfin une partie des élites, hein, je dois dire une partie des élites de gauche, est venue aussi donc soutenir les mouvements donc islamistes à travers la révolution islamique iranienne de 1979. Ça a été donc, je dirais, un moment de communion entre une partie de la gauche et le mouvement khomeiniste qui y ont vu donc un moment révolutionnaire contre le grand Satan, c'est-à-dire les États-Unis, et le petit Satan, c'est-à-dire Israël. Donc nous avons là des ambiguïtés venant des États, mais nous avons aussi des ambiguïtés donc venant d'une partie des élites occidentales qui ont soutenu, encouragé, banalisé, si vous voulez, une pensée islamiste, parce qu'ils y ont vu donc une alternative révolutionnaire. Je dois dire que l'Europe a toujours accueilli les chefs islamistes, d'abord à partir de la fin des années 50, mais jusqu'aux années 80-90. Rachad Ranouch y était réfugié en Angleterre, Morsi était aux États-Unis, les chefs islamistes algériens ont également donc été donc accueillis, éparpillés donc à travers l'Europe pour précisément pouvoir constituer donc une toile assez intéressante et assez imposante à travers l'Europe. À partir des années 90, le logiciel en fait de l'islam politique va considérablement se modifier. Parce qu'il va commencer à intégrer le discours des droits de l'homme en direction des minorités. Donc il va instrumentaliser la question des minorités pour présenter donc, ses revendications donc, sous forme de liberté, sous forme de droits des minorités, donc des minorités qui sont discriminées. Et donc, on va donc potentiellement donc leur offrir donc une opportunité donc pour sortir donc de ces discriminations. Et là, en 1990, donc nous avons, disons, deux fronts qui vont venir s'ouvrir. Bon, d'abord le front donc contre évidemment l'école laïque française, donc à travers donc la question du voile. Donc, il était question d'attaquer donc les fondamentaux de cette école laïque, mais aussi un autre front donc à travers donc des attaques contre la liberté d'expression, à travers la fatwa contre Salman Rushdie. En réalité, ces deux guerres incessantes contre les fondamentaux de l'école, de la laïcité, mais aussi de la liberté d'expression, on n'en est pas encore sorti, on est toujours là. Bien sûr,
les crispations, les tensions prennent ici et là donc des formes différentes, mais c'est toujours la même problématique. Va venir s'ajouter à cela la guerre civile évidemment algérienne, donc qui va éclater dans les années 90. Et à ce moment-là, les élites, en tout cas les élites européennes, sont incapables de penser ce moment algérien. En réalité, on ne saisit pas qu'il se passe en Algérie une confrontation entre deux projets de société. On ne comprend pas qu'il se joue là ce qui va se jouer 10 ans, 20 ans, 30 ans plus tard. C'est-à-dire une exportation de cette violence, islamiste. L'Algérie a été la porte d'entrée de la violence islamiste vers l'Europe, mais aussi la porte d'entrée de l'islamisme et de sa violence en Afrique. Et donc, ça a été un noyau extrêmement important qu'on n'a malheureusement pas suffisamment étayé, sur lequel on ne s'est malheureusement pas suffisamment penché. Pendant cette période-là, donc des années 90, les démocrates algériens se sont sentis totalement abandonnés. Et au même moment, les chefs intégristes, les chefs islamistes, qui eux étaient donc partie prenante de plusieurs attentats islamistes, de plusieurs assassinats politiques ciblés, qui ciblaient les journalistes, qui ciblaient des commis de l'État, qui ciblaient des policiers, des femmes et ainsi de suite, eh bien, ils ont pu prendre la fuite et se diriger donc vers l'Europe. Je dirais pour finir que cette difficulté à mobiliser nos énergies pour combattre l'islam politique, elle est due à plusieurs facteurs. Bien sûr, une dispersion des États européens s'agissant de leur stratégie de lutte contre l'islam politique. Regardez, ne serait-ce que qu'à travers, disons, les politiques de la Belgique et de la France, en tout cas, on peine à harmoniser les politiques. Une sous-estimation, voire une banalisation aussi de ce qu'est l'islam politique comme potentiel de violence, mais aussi ne pas tenir compte de sa matrice idéologique, ne pas tenir compte du phénomène politique que c'est. On s'en occupe lorsqu'il y a des bombes et lorsqu'il y a des victimes. Mais tout le travail de fond qui consiste à travers le caritatif à pénétrer la société, travailler la société en profondeur, eh bien, on peine finalement à appréhender ce phénomène. Et dernière chose qui me paraît aussi essentielle, c'est l'essentialisation de l'être musulman. On peine encore aujourd'hui à penser l'être musulman dans sa pluralité, dans son humanité, dans son potentiel d'universalité. On peine à penser l'être musulman en dehors du Coran. On peine à penser l'être musulman en dehors du religieux. Certes, une partie, évidemment, de notre dépopulation sont attachées à l'islam et aux préceptes de l'islam, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a une diversité, il y a une pluralité. Et tenir compte de cette pluralité, tenir compte de cette diversité, c'est le début de l'altérité, c'est le début de l'acceptation de l'autre, et comme le disait Hannah Arendt, c'est la condition sine qua non du début de la démocratie. Il ne peut pas y avoir de démocratie s'il n'y a pas acceptation de l'altérité. Et je pense que c'est autour de cette question de l'altérité qu'on doit penser l'antisémitisme et qu'on doit penser les relations
entre juifs et arabes, et plus largement entre populations donc d'héritage juif et d'héritage musulman. J'en ai fini. Merci. Merci beaucoup, Jamila. Maintenant, nous allons... j'ai quelques commentaires et quelques questions posées par le public. Donc, je commence par le commentaire envoyé par David Bensoussan. Désolé. David Bensoussan, le commentaire de David Bensoussan. Les Juifs ont toujours souffert en première période d'instabilité. Après la mort d'un souverain, même durant les bombardements, suite au bombardement français de 1844 à Mogador, 1907 à Casablanca et 1912 à Fès. Comme le souligne le chroniqueur Nasseri à propos des bombardements de Mogador. Les Juifs d'abord, les autres ensuite. Un autre commentaire de David Bensoussan, la réalité anti-juive décrète pour la population originaire du Maghreb n'est pas unique à la France. Une certaine culture de scissure se manifeste actuellement à Montréal même. Une question de Georgette Ben-Simoun à monsieur, à docteur Bensoussan. Voulez-vous faire un lien entre l'antisémitisme des protocoles et l'antisémitisme islamiste. Monsieur Georges Bensoussan, oui, vous avez la parole. Oui, merci. C'est une très bonne question parce que, bon, d'abord, il faut rappeler que les protocoles, c'est un faux d'origine russe du début du XXe siècle qui a été traduit dans très, très nombreuses langues et entre autres en arabe en 1928, qui a eu un grand succès partout, et en particulier dans le monde arabe après 1945. Aujourd'hui encore, il est très lu, il est diffusé partout, dans tous les pays du monde arabo-musulman. Quel lien y a-t-il entre les protocoles et la vision du monde de l'islamisme dont a parlé Jamila Ben-Habib à l'instant? C'est précisément le lien réside essentiellement dans la croyance au complot, aux forces du mal, qui vise ici à s'emparer dans les protocoles, à s'emparer des manettes du monde et à détruire le monde chrétien occidental, et là, dans la vision islamiste, à détruire la civilisation musulmane, les juifs étant les ennemis jurés des musulmans depuis toujours, et on remonte ici à certains épisodes du Coran. Bon. Le lien, il est là, le lien, il est dans la croyance en un complot fomenté par les juifs, pour s'emparer du pouvoir et pour détruire les bases, ici de la civilisation occidentale et là de la civilisation musulmane. Merci. Une autre question destinée à Georges Bensoussan. La perception des juifs, la question posée par Dov Maïmoun, la perception des juifs comme lâches et péreux fait des dissonances avec les réussites militaires israéliennes. Pour le musulman, la création de l'État d'Israël comme État souverain est un renversement de l'ordre des mondes. Oui, c'est tout à fait vrai. Et là, on entre dans le fondement le plus anthropologique du conflit israélo-arabe et ce pourquoi ce conflit, qui a aujourd'hui 140 ans d'existence, est un conflit qui n'est pas résolu. C'est quand même quelque chose de quasiment unique dans l'histoire, qu'un conflit aussi long puisse perdurer alors qu'il concerne une toute petite partie de l'humanité, une population très peu nombreuse, c'est qu'il y a des racines anthropologiques. Et ces racines anthropologiques, la question de M. Maïmoun le montre très bien, la création de l'État d'Israël même est un impensé pour l'islam et un impensable pour l'islam. Et a fortiori, la création d'une armée juive et d'une armée juive victorieuse d'armée arabo-musulmane, c'est quelque chose d'impensable sur le fond, comme un renversement de l'ordre du monde. Et sur ce plan-là, on est complètement très très loin de la question des réfugiés, de Jérusalem, des frontières, etc. C'est une question de fond. L'existence même de l'État d'Israël est comme une insulte à la face du monde arabo-musulman, et les victoires israéliennes en particulier
sont perçus comme quelque chose de totalement incompréhensible. Et ce qui fait d'ailleurs que renforcer la thèse du complot, parce que si les Israéliens remportent des victoires, c'est que forcément, ils sont aidés par d'autres forces mondiales pour venir à bout des armées arabes, par exemple. On l'a très bien vu lors de la guerre des Six Jours en 1967. Merci. Le commentaire de David Bensoussen, l'antisémitisme européen s'est superposé à l'antijudaïsme traditionnel des pays arabo-musulmans. Mais les mesures prises contre les démis sont indépendantes de l'antisémitisme du protocole des juifs de Sion. Ceci dit, le statut de démi a été parfois appliqué de façon stricte et parfois de façon superficielle, tout dépendant du souverain. Vous avez quelque chose à ajouter, M. Georges Bensoussen? Non, il a tout à fait raison. Le statut de Dimi est quelque chose d'abord d'extrêmement long, le pacte d'Omar, et c'est appliqué de façon très différente selon les régions, selon les époques. Par exemple, dans l'islam chiite, dans l'islam de la Perse chiite, il est appliqué de façon très rigide, extrêmement brutale, alors que dans d'autres contrées, par exemple, du monde arabe, et non pas du monde perse, dans le monde arabe et à certaines époques, le statut de Dimi est appliqué de façon très souple. Ça dépend vraiment des régions. Et par ailleurs, ce qu'il faut rappeler, c'est que quand le statut de Dimi a été introduit par le pacte d'Omar après la victoire de l'islam sur les Byzantins, il a été vécu par les Juifs des régions concernées comme une libération par rapport au statut très dur que leur avait imposé le christianisme grec, le christianisme byzantin précisément, héritier de l'Empire romain. Il a été donc d'abord vécu comme une libération, le statut de Dimi. C'est ensuite qu'il a pris, surtout au moment où le monde arabo-musulman a commencé à décliner à partir du XIIe, XIIIe siècle, qu'il a pris une coloration de plus en plus répressive, parce que plus le monde arabo-musulman s'enfonçait dans le déclin, plus il s'est crispé contre ses minorités, il s'est crispé contre son refus de l'altérité, dont parlait très justement Madame Benhabib à l'instant. Un commentaire de Michel Goldman. En christianisme, il existe la théorie de la théologie de remplacement pour expliquer la chute du judaïsme. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire sur le commentaire de Michel Goldman? Oui, il y a quelque chose de fondamentalement qui rapproche ici la haine du judaïsme de la part du monde chrétien originellement et la haine des juifs dans le monde musulman, c'est que dans les deux cas de figure, le juif est la figure de l'origine. Et cette origine-là, elle est impossible à assumer, sur le fond. Tant que le juif existe, c'est que le message chrétien n'est pas réellement réalisé et que le message musulman n'est pas non plus totalement réalisé. Sur ce plan-là, il y a effectivement une théologie de la substitution qui rapproche les deux grandes foi monothéistes. Je rappelle que l'esplanade des mosquées est bâtie sur l'emplacement du mont du Temple. Et ça n'est pas du tout par hasard. C'est bien précisément pour affirmer que le message de l'islam désormais se superpose, remplace le message caduc du judaïsme. Donc, c'est quelque chose qui rapproche tout à fait ces deux foi qui sont nées du judaïsme, il faut le rappeler. Une question de Facebook à Georges Bensoussen. La perception des juifs comme lâches et péreux fait dissonance avec les réussites militaires israéliennes. Pour le musulman, la création de l'État d'Israël comme État souverain est un renversement de l'ordre du monde. Sylvain. On reproche à Israël de démolir le paradigme structurant. La place des musulmans doit être au sommet de la hiérarchie à cause de l'État d'Israël. On ne peut plus accuser les juifs d'être des lâches et péreux. Oui, ça rejoint la deuxième partie de ce que vous venez de lire, rejoint la question de M. Maïmon de tout à l'heure. C'est-à-dire que l'existence même d'Israël et la réussite même d'Israël est un démenti, un camouflet infligé à l'islam, et c'est quelque chose que l'islam ne peut pas supporter. Donc il ne s'agit pas du tout ici d'un conflit politique ou territorial classique, comme on en a connu toujours dans l'histoire, il s'agit réellement d'un conflit anthropologique qui rend très pessimiste sur l'issue précisément de l'affrontement. C'est tout à fait juste. Une question en anglais posée par Michel Goldman. When and where, je laisse la traduction aux traducteurs. When and where did the fairly recent concept of communality between the Abrahamic faith, indeed the usage of that very term, come into existence? Est-ce que les traducteurs pourraient traduire cette question, s'il vous plaît? When
underwear did the fairly recent concept of commonality between the primate fates come into existence? Et la question en français, vous pourriez me la donner? Quand et où le concept récent de l'Abrahamic fits, je pense, c'est difficile pour moi de traduire. Est-ce qu'il y a le traducteur? Est-ce que that... À 5h56. Ah, 56. Bon, quand et où ce concept de assez récent de foi abrahamique est-elle arrivée et s'est-elle imposée en fait? Est-elle venue à exister? Je suis bien incapable de répondre à cette question. Ce concept de foi abrahamique, est-ce qu'il fait référence ici aux accords d'Abraham? Est-ce que c'est un rapport quelconque avec ces accords politiques ou pas? Donc, on passe au commentaire de David Bensoussan à propos de la question sur les Juifs du Nigeria. Il existe une partie de la population qui pratique la circoncision sans être musulman. Par ailleurs, il y a eu 31 rois juifs au Ghana, selon Ibn Battuta, et il a été avancé que le nom même du Ghana proviendrait de Gahanim, Jahannam, déformation de Gahanim, nom de la dite dynastie juive. Merci David, c'est très intéressant. Je pose une question à Monsieur Daniel Sibouni. Selon vous, par exemple, selon vous, si on parle de l'antisémitisme, est-ce qu'il y a encore des racines de l'antisémitisme à part la religion, à part qu'on parle de la religion de l'islam, est-ce qu'il y a des racines pour l'antisémitisme, surtout parce que vous êtes marocain et vous savez bien la culture marocaine, est-ce qu'il y a des origines de l'antisémitisme au Maroc et au Maghreb? Alors, vous savez, dans cette thématique, comme ailleurs, la religion n'est pas réduite à la religion. La religion intervient comme construction identitaire. Ça veut dire que ce n'est pas nécessaire d'être un croyant ou de lire le Coran pour être dans cette mouvance culturelle dans laquelle les Juifs sont connotés de façon très négative. Georges Bensoussan a parlé de féminisation, identification à la peur, etc. Moi, je pense que dans cette mouvance culturelle, la religion, elle sert d'identité. Ce n'est pas toujours vécu comme une croyance. Imaginons, par exemple, il y a une action d'Israël au Proche-Orient, voilà, des batailles, et Israël est gagnant en 48. Ça, c'est une cause de violence anti-juive. Et ça a été effectivement la cause de violence anti-juive. Pourquoi? Mais parce que dans cette mouvance identitaire, il n'est pas admis que les Juifs puissent avoir la tête haute, puissent avoir une terre ou puissent être souverains. C'est impensable. Donc, si en plus, non seulement ils sont souverains, mais s'ils battent des musulmans, c'est-à-dire des vrais croyants là-bas, alors c'est le monde à l'envers. Mais ça, c'est pas la religion. Ça, c'est l'identité. Ça veut dire que
il n'est pas nécessaire de se référer à la religion. Je vais vous donner un autre exemple. J'ai reçu hier un mail de quelqu'un qui me donne une citation d'un ministre marocain, je pourrais retrouver le nom, qui a écrit une lettre au chef du Hamas pour le féliciter de cette victoire éclatante, etc. Moi, ça me paraît tout à fait normal, parce qu'il y a une fraternité identitaire entre eux. Mais le camarade juif, il mettait à la fin de son mail « sympa l'allié marocain ». Et je me suis dit, voilà, sa naïveté, c'est que il se dit, le Maroc, il veut faire des relations avec Israël, donc c'est un ami, donc c'est un frère. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il envoie cette lettre? Justement, et là on revient à la question abrahamique. Beaucoup de gens dans cette mouvance disent, tout ça c'est des bêtises, on a le même Dieu, on est des frères, on est des fils d'Abraham, on n'a pas de raison de se battre. Et il faut leur rappeler que c'est justement quand on est frère qu'il y a des raisons de se battre, parce qu'apparemment le partage d'un héritage, surtout spirituel, est difficile. Le partage des héritages matériels, tous les héritiers savent que c'est très très difficile. Mais le partage du vide, du rien, du divin, c'est-à-dire de quelque chose qui est un pur infini de possible, eh bien, c'est très difficile. Et ce n'est pas un hasard si les premières pages de la Bible commencent par le meurtre d'un frère par un autre frère, par jalousie. Oui, monsieur Sibouni, j'ajoute que le ministre dont vous avez parlé, c'est le chef du gouvernement, Saad Din Outhmani, et c'est lui qui a signé l'accord avec Israël. Voilà. Comment dire au Maroc, Haligilna. Haligilna. Donc, une autre question à Sibouni, à M. Sibouni. Pour vous, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le concept de la coexistence au Maroc, surtout au Maroc entre les Juifs et les musulmans? Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire en ce qui concerne ce concept? Écoutez, j'ai vécu au Maroc, je l'ai quitté en 1955, et quand, beaucoup plus tard, quand je suis revenu il y a peut-être 10 ans, pour présenter mon livre Marrakech, car j'ai écrit un roman sur Marrakech, le départ, et j'ai vu que, je l'ai présenté devant une assemblée très mixte, où il y avait des musulmans, des chrétiens, des juifs, et puis je l'ai présenté aussi à un groupe de juifs, et qui se sont mis à me parler de l'existence juive au Maroc, comme ça, qu'il n'y avait pas de problème, etc. Mais j'ai cru qu'ils me parlaient d'un autre monde, tout simplement parce que pour eux, les 2500 qu'ils sont, c'est ça la communauté juive. Mais pour moi, la présence juive au Maroc, c'était 300 000 personnes, et à Marrakech, il y en avait 25 000, là, il y en a 20. Donc, la coexistence actuelle ne devrait poser aucun problème, parce que les Juifs sont gâtés, bichonnés par le roi comme des objets de musée. Il faut qu'ils soient bien, bien tranquilles et bien grassouillés pour qu'on ne puisse pas dire qu'ils sont maltraités. Mais l'essentiel est parti. Il ne faut pas s'illusionner. Il n'y a plus de présence juive dans le monde arabe. Et après tout, c'est tant mieux. Ce n'est pas moi qui vais pleurer là-dessus. Pour certains qui ont vécu en Algérie, ça a été un arrachement. Pour moi, ça a été une libération, et tant mieux. Et je n'ai aucune amertume par rapport à ça. Mais il ne faut pas parler de la coexistence aujourd'hui comme si,
enfin le problème était résolu, alors qu'il s'est résolu par le départ total, quasi total. Voilà. Merci. Je passe à Madame Jemila Abdelhabib. La question que je pose concerne les immigrés, les maghrébanos de Belgique, surtout de Bruxelles, et de Molenbeek, surtout de Molenbeek. Pourquoi il y a le problème en Belgique par rapport aux autres pays européens? Est-ce qu'il y a un problème de l'intégration, un problème de culture? C'est quoi le problème? Peut-être avant de répondre à votre question, je vais rebondir sur la réponse de Daniel Siboni lorsqu'il dit il n'y a plus de juifs finalement au Maroc et je ne vais pas pleurer là-dessus. C'est tant pis, c'est comme ça, on passe à autre chose. Et en réalité, ça suscite en moi une émotion. Moi, je dis que c'est très, très dommage. Parce que moi, je pleure encore les Européens qui ont quitté l'Algérie dans les années 60. Ça, c'est de un. Et de deux... vous dites qu'il n'y a plus de juifs, mais en réalité, il n'existe qu'une pensée unique. Je veux dire, toutes les minorités ont disparu. C'est le sort des minorités, c'est le sort des libres penseurs, c'est le sort des homosexuels, c'est le sort d'une pensée qui est dissidente, qui est marginale. C'est le sort que l'on fait à toute pensée dans un pays autoritaire qui marche à grands pas vers une pensée totalitaire. Donc cette question, elle se pose en réalité à l'égard de toutes les minorités. Et lorsqu'on perd les minorités, on perd la pluralité, on perd la démocratie. Et en ce sens, c'est pour ça que c'est une question centrale. C'est pour ça que la présence des Juifs, où qu'elle soit, est une présence centrale parce que c'est un indicateur qui nous permet de mesurer l'état de santé de la démocratie dans un pays. Et pour rebondir donc à la question que vous posez donc sur le en tout cas Molenbeek, bon moi je dois dire que j'habite à Bruxelles depuis donc même pas deux ans, en tout cas un an et demi. Je pense que Joël va amplement parler donc du problème et de l'antisémitisme en tout cas qui est réel chez les jeunes, et essentiellement dans une partie de la jeunesse musulmane suite à l'étude qu'il a faite donc avec son collègue. Et en réalité on se rend compte qu'il y a donc un antisémitisme qui existe et qui n'est pas dû à des facteurs sociaux, mais qui est plutôt dû à des représentations du monde, c'est-à-dire à une lecture du monde, c'est-à-dire à une culture, à un prisme sociétal évidemment, qu'on cultive. Problème de fond. Pardon. Que l'on cultive en réalité dès l'enfance. Et ça veut dire, en tout cas, plusieurs choses. La première, c'est que la lecture, en tout cas familiale, la lecture de l'environnement, la lecture plutôt que moi, en tout cas, j'appelle une lecture évidemment totalitaire, eh bien, elle prend le pas sur toutes les autres lectures. C'est-à-dire que la société n'arrive plus à offrir une lecture qui est comprise, qui est assimilée, avec laquelle on est d'accord du monde. Et là, ça fait qu'il y a des fractures entre une partie de la jeunesse et le reste de la société. Mais je dois dire que la Belgique n'est pas un cas singulier, n'est pas un cas unique. Les observations de Joël, elles sont largement étayées un peu partout en Europe. Donc là où il y a des communautés musulmanes, il y a un antisémitisme culturel qui existe,
chez ceux-là même qui sont nés dans le pays et qui ont grandi dans le pays, qui fréquentent les écoles du pays. Et c'est en cela que nous devons être inquiets, parce que ce sont nos enfants que nous n'arrivons pas à atteindre et que nous n'arrivons pas finalement à leur inculquer des valeurs d'ouverture, de curiosité, de tolérance, de respect de l'autre. Je peux dire un mot ? Bien oui, sûr. Oui, monsieur Denis, oui. Juste un mot. Oui. Et vous êtes vraiment très gentil et tout à fait adorable, je vous comprends. Vous avez de la peine. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas eu de la peine, moi, pour cette situation où un pays, pour moi, un pays qui doit supprimer ses juifs, c'est un pays qui est exposé à une malédiction de l'histoire. Pas seulement parce qu'il supprime des minorités, mais c'est parce que ça témoigne d'un rapport à l'altérité qui fait qu'il ne va rien lui arriver. Et vous savez, la pire des choses, c'est quand il ne vous arrive rien. Et ce sont donc des pays, d'une certaine façon, gelés spirituellement, dans leur confiture religieuse, identitaire, etc. Et puis, voilà, on verra comment ça va changer. Et par rapport à ce que vous dites de la jeunesse en Belgique, c'est tout à fait vrai. D'abord, ces jeunes cherchent une identité, et c'est cette identité islamique qui s'offre. Ce n'est pas une raison pour que nous, on pleure parce qu'on n'a pas su leur offrir, on n'a pas pu leur donner. C'est très difficile pour nous, ça veut dire pour vous aussi, de rivaliser avec la puissance coagulante de cette lecture. C'est l'autre jour, un gamin, dès qu'il est rentré du lycée, m'a dit « Tu sais, c'est vrai que le Coran, il dit qu'Israël sera battu. » C'était au moment de la guerre de Gaza, il y a quelques jours. Il paraît que dans le Coran, c'est écrit qu'Israël sera battu. Je lui dis « Non, tu sais, il n'y avait pas le... » Enfin, le Coran, il ne connaissait pas l'État d'Israël. Mais il m'a dit « Mais c'est mes copains qui m'ont dit ça. » Et je comprends ce qu'ils voulaient dire, les copains. Ils voulaient dire, le Coran a dit que Israël doit disparaître en tant que peuple, qu'ils sont maudits, qu'il n'est même pas question qu'ils aient une souveraineté. Et les gamins, ils ont très bien traduit ça en termes identitaires avec un petit grain de sel religieux. Et c'est comme ça que ça se passe. Oui, merci. Jamila Abdelhabib, vous avez quelque chose à ajouter? Je ne sais pas, peut-être juste partager une parole qui m'a été répétée tout au long de mon enfance et de mon adolescence, qui m'a véritablement marquée, qui m'a heurtée. Vous savez, quand on évoque en fait la femme en Algérie, ou quand on évoque le juif, ou quand on évoque le chien, en tout cas on les évoque de façon récurrente, et exactement de la même façon, on dit « le mara hachek »,« le houdi hachek » ou « le kelb hachek ». Donc, ça fait comme une sorte, disons, d'égalité entre la femme, le juif et le chien, et en réalité c'est une façon tout simplement de déshumaniser et de détruire l'altérité. C'est pour ça que je suis en même temps extrêmement attachée à l'altérité, mais aussi extrêmement attentive au sort des minorités, bien que les femmes ne soient pas une minorité. Les femmes sont la moitié de la société, sont une moitié, mais cristallisent aussi cette altérité. Merci beaucoup, Dr Georges Bensoussan, merci Daniel Sibouni, merci Jamila Abdelhabib. La première partie de notre symposium est terminée. Nous avons 15 minutes et après on va faire un retour vers pour rencontrer professeur Tafek Aklimandos,
docteur John Kotick et docteur Florence Bergou. 15 minutes et on fait et on se rencontre encore. Merci beaucoup. Ma'salama. Run us through the second half. Thanks everyone. Okay. Bonjour, nous commençons la deuxième partie de notre symposium. Nous avons encore quatre intervenants. Nous avons Joël Kotick, Florence Birgo-Blackler, Fadila Maroufi et Taufik Aklimandos. Nous commençons la deuxième partie par l'intervention de Joël Kotick. C'est un historien et politologue spécialiste de la guerre froide, stalinisme et l'Union soviétique. Il travaille actuellement sur le sujet des génocides et de l'antisémitisme. Elle est secrétaire générale du Centre des études de l'antisémitisme et de la Shoah, professeure des sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles et l'enseigne aussi dans l'Institut des sciences politiques à Paris. Elle est auteure de Le siècle des temps, The Antisemitic Postcard in the Name of Antisionism, The Contemporary of Antisemitic Caricature. Son intervention aujourd'hui sera sur les représentations des Juifs chez les jeunes maghrébins bruxellois. À vous la parole, Monsieur Joël Kotick. Voilà. Vous m'entendez ? Oui, oui. Parfait. Alors, merci encore pour l'organisation donc, de cette journée qui est d'ores et déjà passionnante. Alors, je ne serai pas forcément original dans la mesure où les intervenants précédents ont déjà dévoilé pratiquement ce que je vais dire. En fait, ce que moi j'ai fait une enquête sur le terrain et en fait, je n'ai mis qu'en statistique ce qui a été dit sur la prégnance normalement de l'antisémitisme chez certains segments de la société belge. Et aussi, je ne parlerai pas seulement des jeunes maghrébins, mais je parlerai aussi, en règle générale, ce qui peut intéresser aussi, c'est le déni pour ce qui concerne l'antisémitisme, notamment en Belgique. La difficulté qu'ont les Belges à parler de cette question de l'antisémitisme au profit, comme vous le savez, de l'islamophobie ou des nouvelles théories liées à la, je dirais en quelque sorte, à l'antiracisme racialiste importé des États-Unis. Alors donc, ce qui veut dire que si la question de l'antisémitisme, heureusement, aujourd'hui, elle est discutée, elle est débattue en France, elle ne l'est absolument pas en Belgique. Il n'y a au fait aucune étude scientifique a été menée sur cette question-là. Et comme je l'ai dit, cette question est depuis pratiquement 1945 un angle mort chez nous. Pour preuve, se sont ouvertes il y a un mois les assises de lutte contre le racisme au Parlement francophone bruxellois, au Parlement régional bruxellois où je travaille. Donc la Belgique est, comme vous le savez, un État fédéral où il y a une région bruxelloise qui a effectivement une importance très importante. Et dans ces assises-là, eh bien, la question de l'antisémitisme ne sera pas débattue puisqu'on a choisi, dans le comité de pilotage, des organisations qui ne s'intéresseront qu'au racisme structurel, qu'au racisme institutionnel, qu'au racisme d'État, et pas du tout au racisme porté par les individus, par les gens, par les citoyens. Et donc, on ne parlera pas, par exemple, de l'attentat qui a été perpétré en 2014 au musée juif. C'est une non-question, puisque, suivant les nouvelles définitions que vous connaissez autant que moi de nouvel antiracisme, un racisé, entendez un Belge d'origine maghrébine ou d'origine africaine, ne saurait être raciste. Ce qui fait que cette question est totalement un angle mort. Et comme je l'ai dit, la tuerie qui a frappé le musée juif en 2014 n'a rien changé et elle n'a provoqué aucune prise de conscience particulière. Et pourtant, même si on agit comme si l'antisémitisme avait disparu, vous le savez comme moi que c'est loin d'être le cas, puisque si on ne parle pas d'antisémitisme en Belgique, seuls les lieux spécifiquement juifs, et les lieux spécifiquement juifs, vous les connaissez, les crèches, les écoles, les mouvements de jeunesse, bien sûr les synagogues, mais sont l'objet d'une surveillance militaire quotidienne. Et absolument pas les mosquées, bien sûr les églises, etc. Et dans les écoles de la région bruxelloise, ce sont surtout, là où il en reste, des élèves juifs qui sont quelquefois l'objet de harcèlement. Donc la question antisémite, bien sûr, elle est là.
même si on fait comme si elle n'existait pas. Et on sait aussi, d'après les statistiques, alors c'est peut-être moins évident qu'en France, mais il faut savoir qu'en Belgique, les Juifs sont une minorité parmi les minorités. On pense qu'il y a peut-être 30 000 Juifs en Belgique, donc c'est 0,3% de la population totale. On pense qu'en Wallonie, une des trois régions, il y aurait 500 Juifs, et pourtant dans ce pays, pratiquement 100 Juifs, il y en a à Bruxelles et Anvers, ils sont visibles, même s'ils ne sont pas très nombreux. Eh bien, même si les Juifs sont 16 fois moins importants, par exemple, que les Belges d'origine maghrébine, eh bien, les incidents antisémites sont moitié moindres. Donc, ce qui veut dire qu'il y a, comme en France, comme dans d'autres pays, sans doute pas en Allemagne, ça Gunther le sait, mais en tout cas, pour beaucoup de pays, les premières cibles, les premières victimes du racisme, je dirais, ordinaire, et plus que ça, plutôt du racisme violent, du racisme complotiste, malheureusement, ce sont les Belges d'origine juive. Et donc, et ça, c'est une réalité. Et donc, le fait de l'embourgeoisement réel des survivants de la Shoah ne change rien à cette idée-là. Et on l'a vu lors de la crise de la Covid-19, les théories complotistes ont principalement visé les Juifs. Alors, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a ce déni? Alors, il y a trois raisons principales. Alors, il y a d'abord un logiciel post-marxiste que vous connaissez tous, que vous connaissez en France, mais qui, chez nous, n'est pas contesté. Il n'est pas contestable, nous sommes trop peu à pouvoir contester ce logiciel post-marxiste, selon lesquels, comme vous le savez, les nouveaux damnés de la terre, les nouveaux prolétaires, etc., seraient les musulmans, etc. Et donc ce sont ces personnes-là qui sont porteurs du projet révolutionnaire, donc il faut bien sûr protéger. Il y a donc ces nouvelles théories qui viennent des États-Unis et qui aujourd'hui sont pratiquement enseignés partout et ne sont pas contestés, notamment à ces fameuses assises de l'antisémitisme à Bruxelles, le concept de blanchité, le concept de racisation, etc. Bien sûr, ça c'est donc le logiciel post-marxiste, naturellement qui expulse les Juifs, puisque les Juifs sont censés être des gens appartenant à la bourgeoisie. Les Juifs sont devenus des Blancs, qu'on le veuille ou non, et quand bien même il y a moins d'une génération, il y a une génération, ces Blancs-là étaient obligés de se cacher, d'autres Blancs, pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a aussi la vision antifasciste qui ne veut voir de l'antisémitisme qu'à droite et encore à l'extrême droite, certainement pas de gauche et certainement pas bien sûr islamiste. Et ça, Georges Bétroussan, c'est un impensé. Un musulman ne saurait être antisémite étant lui-même sémite, comme vous le savez tous. Et puis, peut-être le facteur le plus intéressant, et là je crois que Fadila en parlera aussi plus que moi ou Brigitte, c'est le problème de l'électoralisme politique. C'est-à-dire que Bruxelles est une capitale qui n'est pas comme les autres. C'est une région où, d'après justement des statistiques qui ont été diffusées il y a 15 jours, lors des assises de lutte contre le racisme, où les Belges, les Bruxellois plutôt d'origine musulmane, sont plus nombreux que ceux qu'on qualifie de belgo-belges. Un belgo-belge, c'est quoi? C'est quelqu'un qui aurait 4 grands-parents de nationalité belge. Et donc aujourd'hui, les Belgo-Belges sont minoritaires, et donc la question de Bruxelles, c'est d'attirer le vote musulman pour pouvoir diriger la ville, pour pouvoir diriger la région. Et donc on a une compétition entre le Parti Socialiste, le Parti Écolo, et le Parti des Verts pour capter cette population, et donc c'est à qui sera le plus favorable au voile, et c'est à qui aussi sera le plus favorable, notamment au Hamas, etc. Et donc, le poids de l'islam est important. Alors, pour aller à mon étude, dans l'étude que j'ai faite et qui est représentative du public scolaire bruxellois, francophone, eh bien, j'arrive à ce que mon échantillon, qui était important, j'ai interrogé à peu près 1700 personnes, 1700 jeunes, eh bien, 40% de mon échantillon se déclaraient musulmans. Et pour 80% d'entre eux, se déclaraient musulmans pratiquants. Donc, ce qui veut dire que dans l'école bruxelloise aujourd'hui, eh bien, dans une certaine mesure, le facteur prédominant, c'est les musulmans qui sont plus nombreux que ceux qui se déclarent catholiques, qu'ils soient, pratiquants ou qu'ils ne le sont pas. Et donc, on comprend d'autant plus, d'autant mieux, compte tenu de ces facteurs électoralistes, le silence, tout simplement, des médias, des universitaires, le silence, etc., par rapport, effectivement, à ce qu'on appelle le nouvel antisémitisme, qui est l'antisémitisme qui provient, oui, des premières victimes du racisme ordinaire. C'est vrai que, en ce qui concerne les discriminations, ce sont les gens d'origine
afro-descendants, comme on dit aujourd'hui, les afro-descendants et les gens d'origine arabe qui ont des patronymes arabes ou des prénoms arabes, bah, qui sont les plus discriminés. Mais ce sont malheureusement ces gens-là qui aujourd'hui sont les principaux vecteurs de l'antisémitisme, et ça, bien sûr, on peut difficilement l'accepter. Et comme Georges Bensoussan l'a bien dit, de tous les, entre la Belgique, entre Bruxelles et la France, tous les juifs qui ont été assassinés l'ont tous été par des jeunes exaltés, ou moins jeunes exaltés, d'origine arabo-musulmane, etc. On l'a vu, on l'a rappelé, Daniel Siboni, l'assassinat de Madame Halimi. Et donc l'idée que les principales, les premières victimes du racisme ordinaire sont les producteurs d'antisémitisme, eh ben, il y a deux études qui le disent, puisque je vous ai dit que c'est un angle mort, il n'y a pas d'étude. Alors, il y a une étude qui a été faite à la VUB par le professeur Echadus en 2011, sur un échantillon représentatif de jeunes bruxellois, là, néerlandophones. Et moi, j'ai fait la même chose, à peu près 9 ans plus tard, auprès d'un échantillon représentatif de jeunes étudiants bruxellois francophones. Donc, comme je l'ai dit, interrogés dans 40% des écoles de la région bruxelloise, quand même, 40% d'interroger 1600 personnes. Donc, on a un échantillon représentatif. Et donc, bien sûr, alors ce sont des études qui ont été faites précédemment, notamment par Gunther Jekeli. Et donc, nos conclusions rejoignent mes conclusions, donc les conclusions de mon étude rejoignent celles à la fois de Gunther Jekeli ou d'autres chercheurs européens, et principalement aussi d'études donc de ce professeur de la VUB, Marc Elchardus, le fait qu'il y a une prégnance antisémite beaucoup plus forte chez les gens qui se déclarent musulmans. Alors, c'est un rapport de 1 à 3. Alors, ce qui veut dire que les jeunes qui se déclarent musulmans ont 3 fois plus de préjugés, ben, non seulement antisémites, mais des préjugés envers les homosexuels, de préjugés envers les femmes, etc., de préjugés envers la société laïque. 2 fois plus, donc 3 fois plus que les gens qu'on a appelés laïcs ou non-croyants, etc. Et alors que ce qui est intéressant aussi, c'est que non seulement il y a un effet islam dans l'étude qu'on a faite, mais il y a aussi un effet religion, puisqu'on a remarqué que les catholiques qui se disent pratiquants, mais seulement pratiquants, ont aussi tendance à avoir des préjugés beaucoup plus forts sur les femmes, les homosexuels et sur les juifs. Et là, on a un rapport de 1 à 2. Alors maintenant, je vais peut-être vous montrer les statistiques pour aller relativement plus vite. Donc, je vais voir si ça marche. Bon, sinon, je vais commenter. Je vais tout de suite faire ça. Donc, je vais partager l'écran. Voilà. Est-ce que vous voyez? Looks good. Yep. Oui. Donc, on a interrogé dans 38 établissements scolaires à peu près 1672 personnes. Et donc, on a constaté ce qu'on appelle un indéniable effet islam. Et là, vous voyez par exemple sur ce graphique, donc les préjugés négatifs à l'égard des juifs. Et donc, vous voyez que, par exemple, un certain nombre d'idées, les sionistes sont des criminels, les juifs contrôlent les banques et les médias avec l'aide des francs-maçons, les juifs préfèrent Israël à leur pays, le Mossad et la CIA sont responsables du 11 septembre, la Shoah est fortement exagérée. Et vous voyez qu'il y a un rapport, alors je n'ai pas mis les athées, mais vous voyez déjà qu'entre les catholiques pratiquants et les musulmans, il y a un rapport pratiquement de 1/3, 2/3. Et donc, voilà ce que dégagent, si vous voulez, nos statistiques, avec tout le problème, encore une fois, que c'est des statistiques qui, bien sûr, ont dérangé à la fois mes collègues et la presse, puisqu'on a eu relativement peu, comment dire, d'articles au sujet de notre étude, puisqu'elle est, en fait, quelque peu dérangeante. Et donc, notre sondage, d'un autre côté, a dressé le portrait, alors je parle là de l'intégralité, donc des 60% des gens que nous avons interrogés, donc pas seulement des 40% de gens qui se déclarent musulmans, mais ce qui est intéressant, c'est que chez les personnes qui se déclarent athées ou catholiques modérées, eh bien, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une décrue d'antisémitisme, c'est-à-dire qu'on constate effectivement une sorte de sortie du religieux, et donc la génération que nous avons interrogée, c'est une génération qui est sensible aux droits de l'homme, sensible à l'altérité, au point, par exemple, d'être... The interpreters, if one of you can pause on the English side, please. Both of you are going at the same time. I'm speaking too fast. Please continue. I'm sorry. Okay, can I continue or wait? I continue? Oui, oui, continue, continue, John. Okay. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, notre jeunesse que nous avons interrogée, donc les gens qui ne sont pas musulmans, sont en leur majorité favorables, notamment
au voile, et y compris le voile intégral. Donc on voit bien la différence qu'il y a entre, d'un côté, le conservatisme culturel, socioculturel qu'on a perçu chez les jeunes qui se déclarent musulmans, contre, versus le libéralisme culturel qui se déclare chez les autres, etc. Et donc notre sondage révèle que les élèves musulmans sont en quelque sorte à rebours de la tendance à ce libéralisme culturel et à la désemprise religieuse qui a gagné l'ensemble de la jeunesse bruxelloise, on pourrait dire d'origine catholique. Et mieux, on constate en quelque sorte un réengagement dans un processus de réactivation du religieux, puisque comme je vous l'ai dit, la majorité de mes 40% d'étudiants qui se disent musulmans se déclarent non seulement musulmans, mais aussi pratiquants, ce qui va totalement à l'encontre des autres. Et naturellement, l'antisémitisme, on l'a vu, est très prégnant. Là, je n'ai pas vraiment le temps de commenter, mais je vous ai déjà montré les questions qu'on m'avait posées. Les juifs préfèrent Israël à leur pays, les sionistes sont des criminels. Et alors, les couleurs vous permettent de voir effectivement le rapport de 1 à 3, hein, puisque la couleur bleue, ce sont les réponses, les représentations des gens qui se déclarent athées. Le rose, ce sont les représentations des catholiques qui se disent non pratiquants. Le rouge, ce sont les représentations des catholiques qui se disent pratiquants. Le vert, et vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre les gens qui se disent musulmans non pratiquants et pratiquants, et vous voyez la différence. Hein, on passe, les sionistes sont des criminels, de 6% pour les non-croyants à 38% pour les gens qui se déclarent musulmans. Est-ce que les juifs contrôlent les banques avec les francs-maçons? 8% seulement des gens qui se déclarent athées le pensent, et ils sont 37% chez les gens qui se déclarent musulmans pratiquants. Donc on voit bien effectivement que le racisme, l'antisémitisme est fortement développé dans ce segment de la population bruxelloise. L'idée aussi, est-ce que les juifs constituent ou non une race? 6% des non-croyants le pensent, mais ils sont 18%, toujours ce rapport de 1 à 3, 18% en ce qui concerne les gens qui se déclarent musulmans. Alors, ce qui veut dire que, comme je l'ai dit, notre enquête valide beaucoup d'études et sondages européens qui ont été faits, notamment, comme je l'ai dit, celle de Gunther Jekeli, et avec naturellement cette idée, la forte imprégnation du complotisme chez les jeunes croyants et chez les jeunes croyants catholiques, mais aussi musulmans, bien sûr. Et c'est ainsi que parmi nos sondés, comme je l'ai dit, 28% des gens qui se déclarent musulmans pense que le Mossad est derrière les attaques donc du 11 septembre contre 8% seulement des non-musulmans. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que les musulmans ont beau se situer à gauche, puisqu'ils votent pour des partis de gauche, que ce soit le PTB, c'est un parti maoïste, un parti communiste, ou le PS, et maintenant écolo, et quand bien même donc, ils votent à gauche, en fait, leur représentation, elle est conservatrice. Et non seulement par rapport aux juifs, mais je l'ai eu aussi par rapport à la question des femmes, par rapport à la question, en fait, comme l'a dit Jemila, de l'altérité. Alors, par rapport à la question du rôle des femmes dans la société, le rapport avec l'autre, et en particulier le juif, l'homosexualité, la peine de mort, bien sûr, la question de la séparation de l'État et de la religion, le statut de la science par rapport à la religion, et donc tous mes graphiques montrent bien, regardez les couleurs, c'est pour ça qu'on n'a pas le temps de commenter, mais vous voyez, par exemple, est-ce que le darwinisme est une théorie fausse, oui ou non? Et vous voyez que 29% des gens qui se déclarent musulmans le pensent, contre 6% des gens qui se déclarent athées. Est-ce que la loi religieuse doit primer sur la loi civile? Ils sont quand même 38% de mes sondés à le penser, c'est quand même beaucoup, contre 2% seulement des gens, bien sûr, qui se déclarent athées. Et voilà le genre. Donc on a pu, en quelque sorte, quantifier, si vous voulez. Voilà. Alors je crois que je peux terminer ici pratiquement sur ça. Ça, c'est le Mossad, on en a parlé. Et je vais vous montrer encore un graphique qui est intéressant. Alors oui, l'idée aussi, bien sûr, que les juifs contrôlent la finance avec l'aide des francs-maçons. Et là, on voit aussi la différence, effectivement, entre, regardez, ceux qui le pensent. Alors, ils sont seulement très peu nombreux en ce qui concerne les non-croyants. Et bien sûr, en ce qui concerne les gens qui se déclarent musulmans, on voit qu'il y a un pic, etc. Mais ce qui pourrait être intéressant aussi, c'est la question par rapport à la Shoah. Est-ce que la Shoah, est-ce qu'elle serait grandement exagérée? Alors, seulement 6% des non-croyants le pensent, il y a quand même 20% de non-croyants qui n'ont pas d'opinion, ce qui est quand même énorme. Un Bruxellois sur trois n'a pas d'opinion quant à savoir si la Shoah est exagérée, mais en ce qui concerne les jeunes qui se déclarent musulmans, bah, ils sont quand même 21% à être d'accord, et 50% pratiquement disent ne pas avoir d'opinion.
Donc, il y a seulement, on est d'accord, 21% de gens qui ne le croient pas. Alors, j'ai une dernière statistique. Est-ce que Gaza est pire qu'Auschwitz? Alors, c'était bien sûr avant les derniers événements. Eh bien, on le voit, sur le total, donc sur les 1600, ils sont 18% à le penser, ce qui est quand même énorme. Mais ce qui est pire, c'est qu'il y a 60% de Bruxellois qui ne se prononcent pas sur cette question, ce qui est absolument sidérant. Donc, on peut vous dire que cette bataille était perdue. Si vous regardez encore une fois la question par rapport alors là, c'est les athées, eh bien, vous voyez que 3% seulement des athées le pensent, mais ils sont quand même 75% des athées à ne pas avoir d'opinion quant à savoir si Gaza est pire qu'Auschwitz. Et en ce qui concerne les musulmans, ils sont plutôt 38%, encore une fois, à penser que Gaza est pire qu'Auschwitz. Et malheureusement, après les derniers événements de la semaine dernière, je suppose qu'ils seraient plus nombreux encore. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous m'avez entendu, mais j'ai parlé vite parce qu'il fallait que je reste dans les temps. Merci. Merci beaucoup, John Kotek. L'intervention suivante est de Dr. Florence Bergou. Florence est une anthropologue française chargée de recherche CNRS, Centre national de recherche scientifique, au groupe Société, Religion, Laïcité. Elle est spécialiste dans l'étude des normativités islamiques en contexte sécularisé. Elle s'inspire notamment de la sociologie pragmatique et de l'économie des conventions pour analyser les relations entre l'économie, la religion et la politique dans un monde globalisé. Auteur de « Le marché halal ou l'invention d'une tradition » 2017, « Halal Matters Islam, Politics and Markets in Global Perspective » 2016, « Le sens du halal et normes dans un marché mondial » 2015. L'intervention de Florence sera sur le thème « L'extension des normes halal dans les pays non musulmans ». Vous avez la parole, Dr. Florence Birbou-Blackland. Merci, monsieur. Je voulais remercier aussi tous les intervenants avant moi et Joël, dont j'ai lu les résultats qui sont quand même très, très inquiétants. Voilà. Alors, il existe un autre stéréotype dont on parle moins, c'est l'idée que les Juifs, en fait, auraient des avantages, notamment sur les musulmans. Et en France, mais c'est vrai aussi en Europe, les frères musulmans ont toujours justifié leur demande d'accommodement en se référant de façon plus ou moins honnête aux droits supposés des Juifs en France dans la République. Donc il y a chez bon nombre de musulmans, j'ai pu m'en rendre compte en travaillant sur le marché halal, une sorte d'admiration, de fascination pour la cacheroute qui serait parfaite, qui serait bien acceptée, alors que le halal serait l'objet d'une chasse islamophobe, etc. D'où la nécessité de montrer que en fait, cacheroute et halal ont des histoires tout à fait différentes, que la cacheroute est née il y a plusieurs siècles, qu'elle est indissociable du statut diasporique des Juifs, qu'elle est née artisanale et qu'elle s'est industrialisée peu à peu. Le marché halal est né industriel dans les années 1980 d'une rencontre entre néo-fondamentalisme musulman et néolibéralisme. C'est une créature moderne qui s'est inspirée directement de la cacheroute, mais qui, en moins d'un demi-siècle, s'est étendue au point de concerner tous les secteurs de la consommation, de construire un espace normatif pour les musulmans du monde. Et ce sont des entreprises multinationales, non musulmanes la plupart du temps, qui s'affairent à créer ce halal way of life, les musulmans se contentant généralement de certifier halal. J'en fais le récit dans mon livre « Le marché halal ou l'invention d'une tradition » qui est paru donc au Seuil en 2017. Dans le monde, la mention halal est apparue d'abord sur les carcasses de viande, à peu près à la même époque que les produits de consommation dits éthiques, dans les années 1980. Sur le marché aujourd'hui, halal veut dire licite, et donc est considéré sur le marché comme une qualité. On peut distinguer trois catégories de marchandises qui portent l'indication halal, celles qui sont issues d'un abattage rituel industriel, les aliments, les produits non alimentaires qui ne contiennent ou n'ont été en contact avec aucune substance déclarée illicite, donc ce sont les cosmétiques, les médicaments, les vaccins, les produits ménagers, les produits pour animaux, etc.
Et enfin, tous les biens et services conformes ou compatibles avec la charia que l'on traduit dans les pays musulmans par la loi islamique et dans les pays non musulmans qu'on traduit par éthique islamique, ça passe mieux. Donc c'est la mode, le tourisme, les loisirs, la finance, etc. Donc en termes de répartition, ça donne ça, ce qui est connu donc comme l'économie islamique globale. Je vais vous partager mon écran. Alors, donc ça donne ça, un marché, je n'ai pas le temps de détailler, mais c'est un marché donc de plusieurs milliers de milliards de dollars qui est en plein développement, ce qui est assez peu connu, mais c'est un secteur qui fonctionne très bien, notamment en temps de Covid, ça a très bien fonctionné. Et puis il y a un autre usage de halal, c'est le halal substantivé, le halal comme espace symbolique, un espace de vie où tout serait rendu licite aux bons musulmans. Donc 40 ans après sa naissance, le marché halal concerne aujourd'hui tous les secteurs de la consommation. Et ce qui est intéressant, c'est la rapidité de l'extension du marché et de la norme, alors que tout au long du XXe siècle, jusqu'aux années 80, la question du halal ne se posait pas. Elle ne se posait pas en pays musulmans, bien entendu, et elle ne se posait pas dans les pays non musulmans où les autorités religieuses n'avaient aucune exigence halal. Alors voici un extrait de la fatwa dite du Transvaal, prononcée par, qui est très célèbre, elle a été prononcée par le réformiste Mohamed Abdou, qui dans sa fatwa explique donc à des soldats musulmans stationnés en Afrique du Sud que la viande produite par les chrétiens et les juifs est licite aux musulmans. Il se base sur le très explicite verset 5 de la sourate 5 du Coran, qui indique donc que la nourriture des gens du livre est permise aux musulmans. Et donc il explique qu'il n'y a pas, enfin il en découle plutôt qu'il n'y en a pas, il n'y a pas besoin a priori d'un marché de viande halal pour les musulmans en pays non musulmans. Pourtant, on trouve dans la législation britannique à partir des années 20 un droit à l'abattage mahométan. Et alors comment est-ce que ça s'est introduit dans cette législation? Eh bien, c'est à l'occasion des discussions autour du Slaughter of Animals Act, c'est-à-dire la question du bien-être animal, dans lequel on devait imposer l'assommage des animaux avant leur mise à mort pour réduire leur souffrance, qu'on va discuter donc des exemptions demandées par les rabbins pour les juifs, afin qu'ils ne soient pas obligés donc d'assommer les animaux avant abattage. Et le général Chartres, qui est très préoccupé par les affaires de son pays, mais qui est aussi un soutien de la cause animale, va objecter va suggérer plutôt que cette exemption soit également étendue aux musulmans. Alors plusieurs parlementaires lui objectent que les autorités islamiques ne sont pas demandeuses de cette exemption. Et le général répond que les lascars, ces matelots indiens musulmans de l'Empire britannique, se mettront en grève et que ce n'est pas bon pour les affaires de l'Empire si on ne leur donne pas cette exemption. Donc c'est cet argument qui va emporter l'adhésion du Parlement et la clause du Slaughter of Animals Act va être amendée pour introduire donc dans une législation européenne l'abattage mahométan, ce qui va créer des précédents dans les pays européens. Et puis on va en rester là, il sera de temps en temps utilisé cette exemption, surtout pour les fêtes de l'Aïd, les musulmans ne sont pas très nombreux, bon ce sera occasionnel. Et c'est à partir des années 60 que vont s'intensifier les échanges commerciaux entre les pays non musulmans et les pays musulmans du Moyen et d'Extrême-Orient. Et là, on va avoir des pays musulmans qui sont plus attentifs à ce qui arrive dans leur pays. Et c'est l'Iran qui va, au moment où l'ayatollah Khomeini donc arrive au pouvoir, déclarer solennellement illicite les viandes occidentales et va en interdire l'importation avant de se raviser. Il va finalement autoriser l'importation de cargaisons de viande à condition qu'elles soient contrôlées par des gradés religieux qu'il va envoyer donc dans les abattoirs exactement à la manière des juifs de la cacheroute.
Et contrôler la licéité de la viande va devenir une activité commerciale très lucrative pour laquelle la Ligue islamique mondiale, donc plutôt les sunnites, les associations musulmanes en diaspora, en Europe ou ailleurs, vont se disputer la maîtrise. Donc ça, on arrive à peu près au milieu des années 90, quand sortent les directives halal du Codex Alimentarius, qui est un organisme créé pour garantir la sécurité alimentaire dans le monde et supprimer les barrières aux échanges. C'est un dispositif néolibéral qui va lui élargir le périmètre du halal en réglementant l'étiquetage. Et donc, c'est pour ça qu'on va arriver à ce premier élargissement où on va trouver sur le marché des produits alimentaires pharmaceutiques ou cosmétiques halal. Puisque les entreprises, immédiatement à partir du moment où quelque chose devient illicite, eh bien les entreprises vont en proposer des versions halal, des versions licites. Donc c'est avec ces directives qui ne sont pas religieuses qu'on est passé de la pureté rituelle à la pureté industrielle, puisque ce sont des machines, des détecteurs en fait, d'ADN de choses illicites qui vont travailler finalement à la place des religieux. Donc on est passé d'un paradigme qui disait tout ce qui n'est pas interdit est permis, à tout ce qui n'est pas permis, tout ce qui n'est pas halal, garanti, est interdit ou suspect de l'être. Donc la dynamique d'extension du marché halal est la suivante. La halalisation est toujours le deuxième temps de la haramisation. Dès lors que quelque chose est déclaré illicite, on pourra en proposer sur le marché une version licite. C'est l'eau qui pourra porter un label halal dès lors que l'entreprise garantit qu'elle a été embouteillée dans un espace sans substance impure, etc. Le corps de la femme est interdit, le burkini, c'est un bikini halal, etc. Donc, vous voyez comment, peu à peu, l'espace du halal va s'élargir. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau, je vais très vite, qu'est-ce qui se passe au niveau de la consommation? Là aussi, le périmètre mental des consommateurs va s'agrandir, c'est-à-dire qu'ils vont être, ils vont demander en même temps que le marché offre de plus en plus de produits halal, de produits et de services halal, eux aussi vont s'adapter assez bien finalement, puisque quand on a posé la question en 2017 à des musulmans socialisés en France, un millier de personnes à peu près, dont 73% de pratiquants, quand on leur a demandé ce qui devait être halal, eh bien, la viande, évidemment, doit absolument être halal, presque quasiment 97%. Les bonbons, c'est 60%. Les plats cuisinés, près de 40%. La nourriture, tous les aliments, c'est jusqu'à 40-42% qui doivent ou peuvent être halal. Donc, on a, par rapport aux années 90, où quand j'ai commencé mes enquêtes, il y avait finalement une bonne majorité des musulmans qui ne faisaient pas attention au caractère halal puisqu'ils pensaient que la viande des gens du livre était licite. On voit que le périmètre du halal s'est considérablement élargi, que la population musulmane est sensible au message promotionnel du marché halal et à son slogan « Islamic way of life », donc l'islam comme mode de vie. Quand on a fait des enquêtes, Fadila Maroufi vous en parlera, elle va prendre la parole après moi, quand on a fait des enquêtes auprès des femmes salafistes, on a remarqué que l'engagement dans le halal n'est pas instrumental. Il ne réside pas, par exemple, comme c'est le cas pour la recherche de produits bio ou de commerce équitable, il ne réside pas dans le geste d'achat pour protéger la planète, soutenir financièrement les musulmans, etc. C'est en fait, quand on pose la question aux consommateurs, c'est l'intention de rechercher le halal qui suffit à rendre l'acte de consommation licite. Donc l'acte de celui qui achète ou consomme un produit avec intention illicite, il est donc supérieur à celui qui agit de façon routinière. Dans le cas donc, du halal, c'est bien l'intention qui compte. Si on a consommé quelque chose qui n'est pas halal, mais qu'on l'a fait de bonne foi, pensant que ça l'était, on ne sera pas sanctionné. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais en terminer là. Ça veut dire que le fait que ce ne soit pas l'acte qui soit premier, mais l'intention reflétée en acte pieux, entraîne que finalement toute pratique, tout comportement, à partir du moment où il est habité par une intention d'adoration à Dieu,
compte comme une action de piété. Et ça, évidemment, ça participe de la dynamique d'extension du halal. Donc, on devine que cette conception du halal s'étend et qu'il est de plus en plus difficile, et c'est là que je voulais terminer, pour les musulmans, y compris non pratiquants, d'y échapper. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Dr. Florence. L'intervention suivante est de Fadila Maroufi. Fadila est belgo-marocaine, master en anthropologie de l'Université catholique de Louvain. Fadila est aussi éducatrice de rue depuis 20 ans. Elle a travaillé dans plusieurs quartiers bruxellois défavorisés, spécialiste de la radicalisation et de l'islam politique. Vous avez la parole, mademoiselle ou madame Fadila Maroufi. Donc moi, je vais surtout vous parler donc plutôt en partant de mon expérience personnelle. Et je vais expliquer et montrer comment moi j'ai perçu en tant que fille issue d'une famille de troisième génération où on était 8 enfants, 4 filles, 4 garçons. Donc ça fait 45 ans que je vis à Bruxelles, j'y suis née. Et j'ai vécu dans un quartier qui s'appelle Kurgem, donc à Bruxelles, qui est juste à côté de Molenbeek. Donc en grandissant dans les années 80, moi, mes parents étaient plutôt des gens très, très ouverts, on va dire, qui s'habillaient plutôt à la mode, en pâte d'œuf, etc. Donc on pouvait voir que la génération de mes grands-parents et de mes parents, finalement, on ne pouvait pas voir d'un point de vue extérieur, en fait, une appartenance ou une pratique religieuse. On côtoyait ce qu'on appelait, ce que Joël Kotek avait défini comme belgo-belge. Et donc, il y avait relativement une bonne entente. Mais au fur et à mesure que je vais grandir, d'ailleurs dans l'école primaire où je serai, élémentaire, on verra qu'au départ, il y a quelques Belges encore, et au fur et à mesure des années, la population marocaine va être de plus en plus grande et de plus en plus présente, au point qu'on ne trouvera quasiment plus d'autres nationalités à part celle de Marocains, peut-être un Turc, un Italien, sans plus. Et dans la relation aussi entre nous et avec les autres dans le quartier, on va voir que la population finalement belge va quitter petit à petit le quartier, pas parce qu'ils ne veulent pas se mélanger aux personnes d'origine marocaine, mais parce qu'à l'inverse, les jeunes issus d'immigration marocaine vont être très agressifs vis-à-vis des personnes qui sont autres, qu'on appelait à cette époque-là, entre nous, jeunes enfants, les kofars, ou d'une manière plus, on va dire, plus violente, ce qu'on appelait les porcs, les cochons, les impurs, etc. Alors, il faut dire aussi que dans les années donc, 80, moi, je vais voir énormément de mes amis, de mes compagnons de route, qui vont suivre des cours à l'école coranique. Donc, quasiment tous les jeunes à cette époque-là suivront des cours, puisqu'on va commencer à voir apparaître des mosquées, plusieurs mosquées dans les différents quartiers, et qui vont être massivement, en tout cas, fréquentées par ces jeunes-là, le mercredi après-midi et le samedi dimanche. Donc, il y aura des cours du Coran et religieuse. Ce qui est important, c'est que tous ces cours qui seront donnés seront essentiellement donnés par des personnes qui viendront de l'étranger, pays du Golfe, hein, l'Arabie Saoudite, etc. Mais on va voir aussi que les discours du coup qui vont être prononcés, ça va être plutôt des discours de rejet vis-à-vis de l'autre. Il y a un discours vis-à-vis du rejet des kofars et de ce qui est mécréant, donc les non-croyants, et un rejet aussi des juifs. Et, clairement, dans les prêches, on verra essentiellement des prêches qui iront plutôt contre les juifs, contre les kofars, et aussi des prêches qui vont plutôt mettre en avant les pratiques illicites des femmes. Donc on va plutôt parler des femmes, de ce qu'elles peuvent faire, ce qu'elles ne peuvent pas faire, les conséquences, c'est-à-dire
quels sont les actes qu'une fille musulmane ferait qui la pousserait à aller en enfer. Alors il y a aussi à Kurgem, il y avait un quartier, un périmètre où on avait une communauté juive qui était bien présente, où il y avait des magasins, où on vendait du textile, des magasins de vêtements, quelques magasins cachers. Il y a une synagogue. Et d'ailleurs, quand on dit qu'en Belgique, il n'y a pas eu énormément d'attaques antisémites, il y en a eu quand même en 80, un attentat contre un groupe d'enfants juifs à Anvers par un commandant terroriste palestinien. Il y en a eu à une synagogue, la rue Ouvenière. Donc, et on en a eu aussi à la synagogue à Bruxelles en 82. En 89, un docteur, président du comité de coordination des organisations juives de Belgique, a été assassiné. Il y a évidemment l'attentat contre le musée juif de Bruxelles de 2014. Moi, j'ai pu aussi observer, étant enfant, enfin plutôt à l'adolescence, des attaques contre une synagogue où on voyait des jeunes qui jetaient des cocktails Molotov, mais ça n'a pas été relaté évidemment dans la presse. Donc tout ça, finalement, c'est quand même été caché. Au sein de la communauté, quand on parlait des autres comme étant des mécréants ou des juifs, souvent ils utilisaient plutôt même le terme sale juif, c'était des choses qui se disaient, mais qui se disaient entre nous. C'est-à-dire qu'on nous disait bien de ne pas le raconter à l'extérieur, il ne fallait pas que ça se sache, parce qu'on avait peur évidemment qu'on nous mette dehors, qu'on nous jette et qu'on nous renvoie au Maroc. Il y a, je pense qu'à la base, ce qui a vraiment fait progresser cette vision qui divise les êtres en plusieurs catégories, c'est vraiment cette vision islamiste. On avait aussi les frères musulmans qui étaient de plus en plus présents dans les années 90, donc 90. Là, on va avoir des prêches, on va avoir Tarek Ramadan qui va être aussi invité dans les médias comme étant le spécialiste de l'islam. Beaucoup de jeunes qui étaient en perte d'identité, puisque finalement, quand on allait au Maroc, puisque chaque année, les familles partaient au Maroc, étaient considérés comme des étrangers, comme des Européens. Et quand on revenait ici, beaucoup de jeunes, en fait, on leur disait, ben, vous êtes Marocains. Certains d'entre eux disaient, ben, nous, on est Marocains avant tout. Mais ces jeunes, en fait, étaient un peu perdus, puisque finalement, quand ils retournaient de l'autre côté, on les rejetait. Et ici, en Belgique, il y avait aussi, on les rejetait. Mais surtout, le discours des frères musulmans et des religieux, c'était de dire, ici, vous n'êtes pas des Belges, vous avez une identité et votre identité, elle est musulmane, elle est islamique. Et donc, finalement, tous les jeunes vont s'approprier cette identité-là. Donc, on n'aura plus cette identité de Belge, puisqu'on avait la nationalité belge, mais plutôt, on va être plutôt une nouvelle identité qui sera musulmane pour la Oumma. Donc, tous nos actes, tout ce qu'on fera, sera pour la Oumma. Alors, en secondaire, au lycée, je vais avoir des professeurs de gauche, certains professeurs de gauche notamment, et donc ce sera dans les années 90, ou donc 90, où certains professeurs qui sont plutôt tendance de gauche nous diront, quand il y aura des conflits israélo-palestiniens, vous voyez ce qu'on fait à vos frères arabes. Donc on nous ramenait toujours en fait finalement, même si c'était pas des musulmans, mais là on avait vraiment des personnalités de gauche, et je vais m'apercevoir au fur et à mesure que même au sein des partis, comme le parti d'extrême gauche ou les partis comme le PTB, comme le parti socialiste, où on va être plutôt pro-palestinien, les jeunes vont s'engager du coup pour cette cause-là, mais comme étant finalement ce sont nos frères en islam, puisque finalement on se reconnaît par rapport à l'Oumma, toujours. Alors, ces conflits qu'on va entendre aussi en Belgique, qui sont quand même dans les médias, ça va être toujours dans la même direction, c'est-à-dire que ce sont des persécutés, les Palestiniens, contre des Israéliens, finalement, qui enlèvent la terre, qui volent la terre des pauvres Palestiniens. Et ce conflit-là, en fait, à chaque fois qu'il va réapparaître,
on va voir que le ton va se durcir et qu'au sein des mosquées, ben, le ton se durcit aussi en même temps. Alors, quand je serai adulte, donc toutes ces questions-là vont me travailler parce que je vais me rendre compte très vite que moi qui écoute un peu de musique, un peu de tout, etc., je vous ai dit que que je suis issue d'une famille de 8 enfants, et il s'avère que malheureusement, parmi mes frères et sœurs, je vais avoir une famille qui va aussi se radicaliser parmi mes frères, notamment, qui vont suivre le mouvement plutôt salafiste et qui vont être influencés par leurs copains dans les quartiers, mais aussi dans les mosquées par ces différents prêches. Et donc, il va y avoir aussi un conflit au sein même des familles, c'est-à-dire que moi qui ne veux pas tenir de propos antisémites ou contre les juifs, je vais entendre de plus en plus des propos « mais t'as vu ces juifs » ou « tu te comportes comme une sale juif », etc. On va le voir aussi à partir des attentats donc, du 21 septembre en 2001 à New York, 11 septembre 2001. Et ça va faire que finalement renforcer, mais en plus ce qui va changer, c'est que les propos vont être beaucoup plus ouverts. Donc on va oser plus facilement parler de l'antisémitisme, enfin on va être beaucoup plus antisémite plus facilement, on va rejeter les autres, on va dire ben finalement ce qui s'est passé là-bas, c'est pas des musulmans, ce sont les juifs avec les américains, etc. Donc toutes ces théories complotistes qu'on va entendre de plus en plus sur le terrain. Et puis il va venir, quand je vais travailler social, je serai aussi confrontée à cet antisémitisme, c'est-à-dire que je vais travailler dans des quartiers où on a surtout une grande majorité de jeunes issus de l'immigration musulmane, troisième, quatrième, cinq, sixième génération, où c'est toujours les mêmes propos des enfants qui fréquentent les mosquées, essentiellement pris par des salafistes, par des frères musulmans, avec un discours assez haineux. Et je vais essayer je voudrais le comprendre et essayer de le comprendre. Et c'est comme ça que je vais décider de commencer un master en anthropologie, où je vais travailler, je vais fréquenter des lieux fréquentés par les femmes et par les jeunes filles dans des mosquées, salons de beauté, santé, bien-être, etc. Là, je vais me rendre compte en fait que, et là on est plus ou moins en 2014, je vais entendre des propos antisémites assez graves, c'est-à-dire que ces propos, ça va être plutôt quand les jeunes filles ou les femmes diront « mais on ne peut pas tuer un être humain dans l'islam, c'est interdit », ben, ces apprenantes, ces personnes qui donnent cours, ces femmes qui nous donnent les cours de théologie et d'islam, vont nous dire « ah mais non, c'est, en réalité, en fait, les vrais juifs sont morts, ils n'existent plus ». Les juifs qui étaient, que Dieu acceptait et qui se convertissaient d'ailleurs à l'islam, puisque l'aboutissement des trois religions monothéistes, c'est l'islam, mais finalement, ils n'existent plus, les chrétiens n'existent plus. Là, ce que nous avons, ce sont des gens qui sont envoyés par Shétan, qui vous font croire qu'ils sont juifs ou qui font croire qu'ils sont chrétiens, mais ils ne le sont pas, c'est pour tromper. Donc finalement, quelque part, c'était permettre, dire, Vous pouvez les tuer, vous pouvez leur faire du mal parce qu'en réalité ce ne sont pas des croyants. Donc pour moi en tout cas c'est comme ça que j'ai pu le comprendre. Et des propos comme ça en fait, je suis restée pendant 3 ans sur le terrain à Bruxelles où j'ai pu constater ces discours que j'ai ensuite essayé de rapporter au niveau politique, etc., où il n'y avait aucun écho. Donc moi j'ai été assez abasourdie en fait par ce silence. Par le constat d'inertie au niveau politique. Il y a pourtant une association qui s'appelle l'UMRAX, qui est un mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie. Je vais me rendre compte qu'en tant que travailleuse sociale, quand je fais appel à ces organisations, SOS pour lutter contre le racisme, l'antisémitisme, il n'est jamais question de l'antisémitisme. On parle souvent que d'une chose, la victimisation des personnes d'origine maghrébine ou étrangère. Et on leur dit, comme le font d'ailleurs les frères musulmans ou les personnes radicalisées, etc., c'est-à-dire on veut vous du mal, on veut exterminer les musulmans, on n'aime pas les musulmans, et d'ailleurs regardez avec tout ce qui se passe avec les attentats, vous allez voir, on va vous en vouloir, etc. Évidemment que moi, en Belgique, et notamment aussi dans les discours en France, je n'ai pas entendu ce...
ce discours-là de la part des pouvoirs politiques ou des citoyens, au contraire. C'est-à-dire que le discours du politique et du citoyen, c'est de dire pas d'amalgame entre les islamistes, entre les djihadistes et les musulmans. Mais par contre, dans les mosquées, c'est l'inverse. J'ai déjà travaillé mes chansons parce que oui. Voilà, je vais être accompagnée. Pardon. Ouais. Je vais me rendre compte, au contraire, c'est plutôt dans ces courants et ces mouvements radicalisés qu'on va plutôt pousser les personnes de la communauté musulmane à avoir peur et à dire attention, ils vont vous en vouloir, ils vous feront du mal. Et donc, il y avait une certaine méfiance, de la peur qui commence à se créer. Alors, je vais terminer par ceci. Il y a une semaine, il y a eu ces affrontements, on a entendu ces affrontements entre Palestine, le Hamas et Israël, etc. Et j'ai entendu des appels pro-palestiniens lors des rassemblements pro-palestiniens qui étaient plutôt des appels à la haine, contre les juifs, etc., envoyer des drapeaux israéliens brûlés, piétinés. Moi, je vous avouerai que c'est des choses qui m'ont choqué parce que je me rends compte que finalement, l'antisémitisme n'est jamais abordé, ou très peu, quasiment pas en fait, en Belgique, comme le disait d'ailleurs, le soulevait Joël Kotek. Et que moi, je continue à voir que, aussi bien dans les écoles où j'ai pu assister, vu des enfants, les seuls enfants juifs qui ont dû quitter un an après parce qu'ils étaient harcelés, parce qu'ils étaient juifs, que finalement, on n'a quasiment plus de personnes juives dans les écoles publiques, que quand on va dans des écoles juives, on trouve complètement normal de voir des militaires, de voir toute une armée, de voir des policiers, toute une sécurité qui est mise là, et que finalement, il n'y a plus personne qui se pose des questions et qu'il n'y a plus rien qui est fait autour de ça. Alors, moi, j'ai décidé d'aller me rendre aussi à la manifestation devant l'ambassade d'Israël, et j'ai pris une photo où je tiens un drapeau d'Israël, justement pour montrer que le drapeau israélien, ce n'est pas, pour le démystifier, ce n'est pas quelque chose qui va me brûler, c'est un drapeau d'un peuple. On peut ne pas être d'accord avec une politique, mais ça ne veut pas dire qu'on doit piétiner, qu'on doit rejeter l'autre dans sa totalité. Et je me suis rendu compte que j'ai eu 1400 commentaires sur 1300 likes, et parmi ces commentaires, j'ai eu plus de 350 propos haineux, d'appels au meurtre, à m'égorger, à me traiter de tous les noms, de traître, de pute, parce que je défendais la paix devant l'ambassade d'Israël. Ce qui pour moi, évidemment, et alors, à côté de ça, il n'y a personne qui s'en émeut, et on se rend compte, en fait, que finalement, il y a des questions en Belgique qui restent sous silence. Il y a énormément de problèmes, la question de l'islamisme, la question de l'antisémitisme reste sous silence. Joël Kotek avait abordé les assises contre le racisme. On voit des institutions comme le collectif de lutte contre l'islamophobie en Belgique qui fait partie des personnes qu'on interroge pour intervenir et pour donner son avis sur ces questions-là, puis d'autres associations encore, mais qui sont des associations proches des frères musulmans islamistes et qui prônent une séparation finalement entre les musulmans et les non-musulmans. Donc pour moi, il est essentiel, je vais terminer avec ça, pour moi, il est essentiel d'affronter ces problèmes, d'en discuter, de pouvoir en parler ouvertement, mais il faut aussi soutenir les personnes qui sont issues de l'immigration et qui veulent parler, parce qu'on sent que maintenant, le fait d'en parler, on est menacé, on est rejeté, on est banni, et d'ailleurs, il y a eu un ouvrage qui est sorti en Belgique qui s'appelle « Cacher cet islamisme, le voile et la laïcité à l'épreuve de la cancel culture », où on explique comment en Belgique on fait tout pour justement éviter ces sujets, pour les cacher et finalement empêcher certaines personnes d'en parler, et notamment énormément des personnes qui viennent des partis de gauche, mais pas que. Mais la voix, parce que l'électorat est important, les voix musulmanes à Bruxelles, les musulmans sont de plus en plus nombreux, et de plus en plus les politiques font un mélange entre islamisme et musulmans. Et c'est bien là où nous avons un problème.
c'est qu'à force de faire justement cet amalgame-là entre islamisme et musulmans, on n'aborde plus ces questions, ce qui fait que même les musulmans qui seraient prêts à pouvoir y réfléchir, qui seraient prêts à dénoncer, finalement, finissent par abandonner, finissent par se taire et finissent par épouser même, aller même jusqu'à épouser, finalement, les discours islamistes. Merci. Merci beaucoup, Fadela. La dernière intervention, c'est de Dr Tawfiq Akrimandos. Tawfiq est professeur des relations internationales au Collège de France et visiteur à l'Université de Caire. Et c'est un historien et chercheur spécialiste du monde arabe au Collège de France depuis 2009. Et il était chercheur au Centre français d'études et de documentation économique, juridique et sociale de 1984 à 2009, spécialiste de la vie politique en Égypte après la Deuxième Guerre mondiale, 1945 à 2011. Son intervention aujourd'hui sera sur l'idéologie des frères musulmans. Vous avez la parole, M. Tawfiq Akrimandos. Je suis très admiratif de tous mes collègues qui ont réussi, qui ont fait des exposés passionnants et qui ont réussi à tenir la distance. Je pense que je ne réussirai pas, mais je vais essayer, au sens que je suis beaucoup trop bavard. J'ai d'autres casquettes, mais je ne vais pas exposer mes différentes casquettes. Je vais, avant de parler de mon propre texte, essayer de réagir sur des points qui ont été abordés d'un point de vue que je qualifierais non pas d'égyptien, mais de kérote. Dans le sens que je pense que le Caire, la situation est extrêmement complexe et beaucoup plus riche, par exemple, que le reste de la province. Reste que le Caire, c'est 20% d'Égypte en termes d'habitants, ce qui veut dire que ce n'est pas forcément inintéressant. Alors, est-ce qu'il y a un antisémitisme en Égypte, je veux dire un antisémitisme populaire, pas forcément islamiste? Évidemment, la réponse est oui. On va pas, c'est-à-dire, par exemple, je peux donner des millions d'exemples. C'est une phrase qu'on entend souvent, cet argent n'est pas un argent de juif. C'est-à-dire, tu ne peux pas le voler. Ne touche pas mon portefeuille, ce n'est pas un portefeuille de juif. Tu ne peux pas le voler. Des phrases du genre. Est-ce que, par contre, j'ai assisté à de grands rassemblements de leaders d'opinion, et récemment, où on pouvait, une question a été posée. Donc, d'abord, elle a été posée. Est-ce que le départ des Juifs d'Égypte à la fin des années 50 est une perte pour l'Égypte? Et la réponse a été un oui écrasant. C'est une perte, et une grosse perte. Et c'était une assemblée à 90-95% musulmane. Et il y avait des divergences sur est-ce que c'est la faute de Nasser et du pouvoir ou est-ce que c'est la faute de la minorité sioniste qui était dans la communauté juive. Mais la question... Et non, c'est une très grosse perte. Je voudrais aussi dire, parce que là, les frères musulmans, on va en reparler, mais enfin, l'antisémitisme en Égypte s'est beaucoup développé. C'est-à-dire, je ne dis pas qu'il n'existait pas avant, par exemple, 1936 ou avant l'apparition des frères musulmans. Il existait, mais il a beaucoup avancé. Pour parler que de moi, en 1974, j'avais 15 ans, j'ai pris l'avion pour aller au Canada. La personne qui est assise à côté de moi était un Israélien, et j'étais sur le cul, c'était un être humain. Je n'en avais jamais vu. C'était un être humain, il souriait, il racontait des histoires drôles, on pouvait discuter politique, j'ai mis une heure avant de me dérider, c'était pour moi un choc terrible, je n'avais jamais vu de juif. Pour être très précis, nous avions un camarade de classe juif, et on ne nous avait jamais dit qu'il était juif. Donc, il y avait un antisémitisme populaire. Avant que je parle, évidemment, les islamistes, c'est un autre genre. Au niveau des élites, je vous dirais que c'est plus compliqué quand même, pour plusieurs raisons. D'abord, par exemple, que beaucoup ont vu le film La liste de Schindler, ça semble idiot, mais ce sont des choses qui sont importantes. Et puis, par exemple, mes collègues experts en sciences politiques en Égypte vous diront, si je pense en termes de musulmans, les juifs, c'est un ennemi. Si je pense en termes d'experts politiques, l'État d'Israël est un État voisin avec lequel nous pouvons faire ceci et qui nous embête par contre sur cela. Mais c'est un État voisin normal. Les gens peuvent être capables de double pensée, si vous voulez, en même temps. Je ne dis pas qu'il y a des gens, évidemment, qui...
qui sont tout à fait contre ce genre de raisonnement et des gens qui vont beaucoup plus loin. Je voulais un peu prendre, exprimer mon avis sur des histoires de réformes et de zimitude, je dirais. En général, sur la réforme, le président de la République égyptienne avait invité à une réforme du discours religieux, impliquerait, on entend souvent deux types de propositions. Une qui est tout à fait inadmissible pour le public égyptien ou pour l'opinion publique égyptienne, qui est de considérer le Coran comme un texte créé et non incréé. Et ça, c'est pas possible, ça ne passera pas. Par contre, historiquement parlant, l'islam a été une révélation doublée ou allant de pair avec un projet impérial de conquête de la planète. Et, alors, ce n'est pas dit par les autorités religieuses, je pense que dans la tête de la plupart des musulmans égyptiens, c'est découplé. On peut renoncer sans renoncer à l'islam au projet de conquête de la planète. Ceci a des implications sur la zimitude, c'est-à-dire, je vais juste citer deux islamistes qui ne sont pas des frères musulmans, qui sont des intellectuels islamistes, qui pensent que la zimitude était un contrat qu'il faut le revoir, alors qu'il est dans le texte coranique, et le texte coranique parle de, non seulement de payer d'impôts, mais de payer d'impôts en étant humilié. C'est vous payerez la zimma en posture humiliée ou humiliante. Beaucoup d'islamistes, pas beaucoup d'islamistes, certains intellectuels islamistes, je prends les islamistes qui ne sont pas des frères donc ni des salafistes, vous diront que c'est un contrat de conquête qui s'inscrit dans le projet de conquête. Que là, nous ne sommes plus dans ça, et que nous sommes plutôt dans une étape d'état-nation, de citoyenneté, avec des non-musulmans ayant participé aux luttes pour la libération nationale. Et donc, on ne peut pas les traiter comme s'ils étaient des sujets conquis. C'est-à-dire, il y a une réforme possible. Vous avez un argument que beaucoup de croyants utilisent, et qui est, je vais expliquer le contexte, « Estafti alba, consulte ton cœur ». Le mouvement salafiste égyptien imprime beaucoup de livres, du Torah, du patrimoine. Ce faisant, il convertit au salafisme beaucoup de monde, avec les influences qui ont pu être décrites par d'autres collègues, mais il y a aussi une réaction, ça c'est pas ma religion. Je suis musulman, il y a des gens qui deviennent athées. Je suis musulman, je veux rester musulman, mais ça c'est pas ma religion. Il y a sûrement une autre interprétation de l'islam possible, laquelle interprétation est fourni par exemple, l'intellectuel, il y en a d'autres, l'islam al-Bahiri, ou par le journaliste déjà Ibrahim Issa, et qui ont des émissions télé. Ce n'est pas des gens qui écrivent des livres que personne ne lit. Donc il y a un débat sur la réforme religieuse qu'il ne faut pas surestimer, mais qui est quand même porteur d'espoir. Donc je crois que là, j'avais autre chose à dire. Oui. Il y a un autre point aussi, mais qui est à double tranchant, c'est on peut y voir un facteur d'espoir et un facteur de désespoir. Il y a eu une guerre donc, la semaine dernière, et j'ai vu nombre de mes étudiants, nombre de mes connaissances, poster des choses sur Facebook antisémites. Et pour ceux dont j'étais vrai, qui étaient de vraies connaissances, j'ai téléphoné voir de quoi il s'agissait. Et en fait, ce sont des gens qui ne veulent pas faire la guerre à Israël, qui ne veulent pas faire... qui sont tout à fait propés, mais qui pensent que, comme ça, ils montrent que non seulement je suis musulman, mais je suis salafiste, ils ne sont pas salafistes du tout, et dégager, nous, je ne veux pas faire la guerre. C'est-à-dire exprimer haut et fort, d'une manière peut-être, pas peut-être, certainement très violente, une solidarité avec les Palestiniens, et une manière de ne pas transformer cette solidarité en opération militaire ou en action politique. Bon, alors on peut dire que c'est quand même grave qu'ils ne puissent pas dire « nous ne voulons pas de guerre », c'est important qu'ils soient obligés de passer par ce genre de hurlement. Je vais venir, j'ai d'autres choses à faire, mais ça en gros c'était pour un peu planter le décor sur la société égyptienne
Et je vais venir aux frères musulmans. Alors, les frères musulmans, c'est un problème extrêmement complexe, c'est facile à dire, mais je vais essayer de dire, d'abord, vous aurez différents discours, non seulement en fonction de différents terrains nationaux, mais en fonction de différents, comment vous dire, instruments. Ça, c'est... Moi, j'ai une petite théorie un peu choquante, j'espère qu'elle ne l'est pas trop, c'est je pense que, en fait, M. Hassan El-Banna, paix à son âme, est un type qui avait lu les protocoles, ça j'en suis sûr, qui avait lu les protocoles des sages de Sion, qui a cru les protocoles des sages de Sion, et qui a pensé que l'islam était en très grand danger, tout ceci est prouvable, et alors l'ajout qui vient de moi, et qu'il a calqué la confrérie des frères musulmans sur le schéma qui se dégage des protocoles, c'est-à-dire qu'il a fait une sorte de franc-maçonnerie telle qu'elle est imaginée par les protocoles des sages de Sion, et qu'il en a fait une pour défendre l'islam. Sauf, l'idée m'était venue parce que beaucoup de collègues disaient que les frères musulmans, c'est la franc-maçonnerie des imbéciles. Et d'abord, je ne pense pas que les frères soient des imbéciles, ce qui pose un autre problème, que tous les frères soient des imbéciles, que les frères soient des imbéciles, c'est mal posé le problème. Mais la phrase, franc-maçonnerie, ça avait tilté pour moi. Toujours est-il qu'il faut voir d'abord quelle est la nature du mouvement. Alors, si on veut un mot, c'est une secte. C'est-à-dire, d'abord, vous ne pouvez pas aller dire « je veux devenir frère musulman ». Ce sont les frères musulmans qui vous choisissent, soit parce qu'ils ont des écoles, donc ils se disent « tiens, ce jeune fera un bon frère », soit parce qu'ils aident des provinciaux qui vont en ville, des campagnards qui vont en ville pour la première fois, il y a différents trucs. D'abord, c'est eux qui vous choisissent. Ensuite, il y a des degrés d'initiation. Il y a des degrés d'initiation, c'est-à-dire qu'il y a quatre types de membership disons que ceux à qui on produit, on fournit une sorte d'enseignement politique, c'est les degrés les plus élevés. Les degrés les moins élevés, on essaye d'en faire, j'avais écrit moine, c'est pas le mot, mais des mystiques, parce qu'il n'y a pas de célibat, des mystiques guerriers, c'est-à-dire qu'il y a une pratique religieuse collective qui est forte, développée en groupe, etc., etc. Et en même temps, des exercices sportifs, et si possible, ça dépend des cas ou des pays, on essaie d'en faire des soldats. Quoi. Et donc, on fait une société de mystiques guerriers on leur apprend quand on fait quand on les endoctrine politiquement, qu'est-ce qu'on fait ? On leur fait lire les protocoles des sages de Sion, on a des témoignages. On leur fait lire un livre qui était un livre, un classique de la littérature complotiste. Alors, si je traduis, ça va être Des pions sur un échiquier, quelque chose comme ça, qui doit dater de la fin des années 50. Et on leur apprend à détecter les complots. Alors, je passe sur détecter les complots. Mais dans l'ensemble, et c'est une chose qui fait de la peine, qui explique la perversité du dispositif, vous pouvez avoir beaucoup de frères musulmans qui sont des croyants à qui on a dit « le monde est en crise », qui dira le contraire. Si le monde suivait l'islam, ça irait mieux. Moi, si on me disait « si le monde suivait les préceptes du catholicisme », je penserais que c'est exact, ça irait mieux. Et on leur demande de prier, de participer à des activités de prière collective et d'obéir aux ordres s'ils viennent. Et quels ordres peuvent ne pas venir. Donc, vous avez beaucoup de frères musulmans qui sont d'honnêtes personnes. Elles sont quand même prisonnières ou adhérentes à une secte qui leur dit de ne croire personne d'autre que la hiérarchie de la secte, mais ce n'est pas honnêtement des méchants. Après, il faut voir qu'il y a, pour un peu équilibrer cela, il y a quand même l'enseignement que tout l'environnement est hostile à l'islam, et y compris les musulmans, que la confrérie, ce sont les seuls vrais musulmans, la confrérie, le mouvement des frères musulmans, ce sont les seuls vrais musulmans, qu'il n'y a plus de société musulmane sur Terre. Alors, on peut le décliner de différentes manières, mais tous les islamistes seraient d'accord pour dire qu'il y a très peu de sociétés, qu'il n'y a pas de société vraiment musulmane, qu'elles essayent de l'être, mais elles ne réussissent pas, etc., etc. Donc, il y a, au fur et à mesure de l'initiation, un devoir de haine religieuse.
C'est-à-dire on diffuse un devoir de haine religieuse, ce qui commence à mener vers, vers les juifs. Avant ça, j'oubliais de vous dire ce qui est fascinant, c'est qu'en général, alors que vous avez des salafistes qui sont d'excellents professionnels, de bons ingénieurs, de bons médecins, etc., etc., vous avez rarement des frères qui sont de bons professionnels. Alors, parce que les activités au sein de du mouvement prennent beaucoup trop de temps pour que vous perfectionniez ou que vous fassiez votre travail correctement. Mais quand je dis ça, ça veut dire qu'ils n'ont pas de promotion, ce qui renforce le sentiment de persécution, etc., etc. Bon. Il faut garder à l'esprit, je vais venir au discours, comme d'habitude je suis trop lent, qu'il y a il y a deux époques. Il y a l'époque qui va de 28 à 54 et qui est marquée en gros par ce que j'appellerai poliment la pensée de Hassan el-Banna. Et puis vous avez une période qui va en gros depuis sa renaissance au début des années 70 jusqu'à aujourd'hui qui est marquée par les frères Qutb. Ou par Youssef Qaradawi, c'est pas la même chose. Qaradawi et Qutb sont ennemis. Et les frères Qutb sont ennemis. Bon, je vais pas revenir sur... Alors, le problème, est-ce que c'est une confrérie antisémite? Alors, je suis embarrassé. Alors, évidemment, elle est antisémite. Je ne veux pas être mal compris. Mais le problème, c'est qu'il déteste tout le monde. Donc, on pourrait aussi dire que si être antisémite, c'est détester les Juifs, oui, il déteste les Juifs. Si antisémite, c'est détester les Juifs et seulement les Juifs, non, il déteste tout le monde, y compris les mauvais musulmans. Les mauvais musulmans, de leur point de vue. Alors, mauvais musulmans, c'est quoi? Alors, je ne parviens pas à suivre mes notes, je parle dans tous les sens, mais c'est peut-être mieux comme ça. Mauvais musulman, c'est un musulman qui précisément a oublié que le projet impérial, que la conquête du monde fait partie de la révélation. On ne peut pas dire qu'il y a eu d'une part la révélation et d'autre part le projet conquête du monde et qu'ils ont eu lieu ensemble. C'est, les deux vont ensemble. D'où la sacralité, la centralité du djihad. Et les musulmans ont oublié, les autres, ce n'est pas eux, ont oublié cela. On ne peut pas être musulman sans faire le djihad et sans essayer de conquérir activement toute la planète. À commencer, bien entendu, par les territoires qui ont été musulmans et qui ont été perdus. C'est-à-dire, en gros, le programme, c'est je vais construire l'individu musulman, puis la famille musulmane, c'est-à-dire que le mec domestique, femme et enfant, puis la famille musulmane, puis la société musulmane, puis l'État musulman, puis Ustazé et Tel-Alem. Alors Ustazé et Tel-Alem, de temps en temps, ils disent ça veut dire la souveraineté sur le monde, et de temps en temps, ça veut dire la supériorité intellectuelle où nous allons enseigner au monde comment sortir de sa crise, mais ce n'est pas la souveraineté. Alors, je vais prendre un texte, rapidement un livre, donc je vais le résumer de Mohammad Qutb, le frère de Saïd, qui s'appelle « Sommes-nous musulmans ?» et pour expliquer leur vision du monde dans l'absolu. Mais il y a des différences parce que le Banna ne dit pas la même chose. Là, je suis dans le doctrinal, puis il faut voir que dans les manifestations... Docteur Tawfiq, vous avez encore 2 minutes pour terminer, s'il vous plaît. Bon, alors je vais aller très vite. Si vous regardez les manifestations, les Juifs sont leur obsession. Si vous regardez leur presse, les Juifs sont, et les théories de complot sont leur obsession. On peut énumérer beaucoup de choses. La propagande qu'ils font, par exemple, le mot juif est une insulte. Donc, quand c'est la une mère juive, si, il y a une mère juive. L'autre camp peut répondre en disant que Hassan Ben venait d'une famille juive aussi. Donc, ça, c'est stigmatisant. La doctrine, c'est plus compliqué. Alors, je vais prendre Mohammad Oud, alors qu'il y a des variantes. Les autres disent pas tout à fait la même chose, mais Mohammad Oud donne un peu la vision du monde. Il y a eu révélation, conquête, et ça, c'est l'islam. Petit à petit, l'islam s'est laissé corrompre par des idées venant d'ailleurs. Alors, il pense d'abord aux Persans, et puis aux Turcs, et puis au colonialisme européen. Les Juifs n'existent pas dans l'affaire. Après, à un moment donné, l'Occident cesse d'être chrétien.
je parle de la version de Mahamadoun. Alors, si on cesse d'être chrétien, pourquoi en 1850, alors que le livre est de 200 pages, vous avez 150 pages, vous expliquez que le christianisme, c'est de la merde, etc., les chrétiens, c'est de la merde, etc., et puis brusquement, quand il cesse d'être chrétien, il y a des regrets sur le christianisme, c'est quand même une morale, etc., etc., et en fait, parce que il y a trois juifs, en l'occurrence, ils ne sont pas juifs, qui ont ruiné les fondements de la civilisation. Monsieur Darwin, qui n'était pas juif, ça allait leur dire, qui a coupé, qui a fait de l'homme un animal évolué, mais pas une créature créée par Dieu et un statut particulier. Il y a cet horrible Freud qui a fait de l'homme un animal sexuel, et il y a Karl Marx, qui a fait de l'homme un truc matérialiste. Ça, c'est par exemple la version, donc paradoxalement, les juifs ont ruiné la civilisation chrétienne et il faut veiller à ce qu'ils ne parachèvent pas l'œuvre des autres en termes musulmans. El-Banna était dans un autre livre, je vais aller très vite, il regardait la situation son jour, il y avait des différentes idéologies en concurrence, toutes étaient de la merde. Les juifs financés et qui agissaient par la finance et par la tromperie financée, toutes les idéologies, sauf l'islam. L'islam, les musulmans avaient été corrompus par toutes ces idéologies. En gros, je finis par là, El-Banna disait que dans l'ensemble, on pouvait dire que la Terre était une caverne très obscure, que seuls les musulmans avaient une lumière, une lampe, la lampe était le Coran, et que tous les autres, au lieu de laisser les musulmans allumer le Coran et profiter de la lumière, tomber sur le musulman pour l'empêcher d'allumer la lumière. Je peux continuer, mais j'arrête si j'ai compris. Je ne vous entends pas. Merci beaucoup, monsieur docteur Tafir Clémentos. Nous avons arrivé maintenant à la section des questions-réponses. Nous avons quelques questions envoyées par certains de vous. La première question destinée à docteur Florence en ce qui concerne les modalités du halal et comment la question posée par Michel Goodman donc comment les biens comme les biens et les services sont considérés comme halal. Je l'ai un petit peu expliqué. En fait, à partir du moment où on définit une pratique, un service, un bien illicite, on va pouvoir, le marché est très, très créatif, il va en proposer une version halal. Ce que j'ai voulu dire par là, c'est que ça ne passe pas nécessairement par l'accord des religieux. Vous avez un certain nombre d'agences de certification qui sont nées pour capter en fait l'argent de ce marché. Et bien sûr, tout a été rendu halalisable. En fait, tout est halalisable en fait, comme je l'ai expliqué dans ma démonstration. Ça ne passe plus nécessairement par les autorités religieuses. Donc, c'est un moyen de capter de l'argent pour des groupes et notamment les frères musulmans qui ont besoin de financer leurs activités dans les pays non musulmans. Oui, merci. Une autre question de Michel Goodman. Il a posé la question en ce qui concerne les groupes extrémistes flémiches. Est-ce qu'ils manifestent contre l'antisémitisme ou l'anti-muslim c'est-à-dire, je ne sais pas comment traduire belief, c'est en français. Vous pouvez le comprendre, Madame Florence? Sur la question donc des flamands, peut-être je vais laisser répondre Joël. Je pense que la question est destinée à Joël Kodik. Oui. Voilà. Alors ça dépend, c'est très complexe comme question. C'est-à-dire il faudrait même séparer l'antisionisme, l'antisémitisme, etc. C'est compliqué. Quoi qu'il en soit, l'extrême droite, c'est-à-dire néo-nazie, fasciste, elle est bien sûr antisémite et pro-palestinienne, un peu comme en France avec Soral, par exemple, et Dieudonné. En revanche, les populistes, c'est-à-dire la nouvelle droite, elle a tendance à être plutôt pro-israélienne,
Et en même temps, le problème qui est là, et notamment les groupes flamands, c'est qu'elle est pro-israélienne, mais elle est un peu négationniste. Et donc, il y a une volonté des mouvements, disons, de la droite dure et nationaliste flamande de faire passer la collaboration comme quelque chose qui était certes peut-être une faute, mais nécessaire compte tenu du soi-disant, du fait que les francophones avaient opprimé le peuple flamand. Donc, c'est assez complexe. Alors, un exemple, il se fait tard. Je parlais de la Belgique, elle est un État fédéral. On a un Parlement donc en Flandre, un Parlement flamand, et le Parlement flamand a voulu illustrer 13 Flamands qui avaient contribué à la naissance du nationalisme flamand et à l'émancipation de la nation flamande. Et parmi ces deux héros flamands, il y avait deux responsables de la collaboration, et pas n'importe quel responsable de la collaboration, l'équivalent de Doriot. Et l'équivalent de Marcel Déa, vous imaginez. Et donc, dans une brochure éditée par le Parlement flamand, avec la bénédiction, y compris du Parti socialiste flamand. Donc, c'est un peu ça le problème, c'est-à-dire qu'on a un problème, et l'antisémitisme, il naît aussi, je dirais, d'un certain rapport à la Shoah, et donc, c'est un moyen d'essayer de faire passer la Shoah par d'autres moyens. Il y a cette phrase que disait souvent Georges Bensoussan, c'est-à-dire, souvent, on nous reproche le mal qu'ils nous ont fait. Une question destinée à Dr. Pierre Clémentos de Laurence Fitoussi. Pourquoi les gens musulmans radicalisés ne se mobilisent-ils que pour les frères palestiniens et non pour les Ouïghours, par exemple, et les Rohingyas? C'est une très bonne question. Souvent, alors, il faudrait faire des sondages. Alors, la réponse est au pifomètre. Au pifomètre, d'abord, Jérusalem est un des lieux saints de l'islam, où au moins c'est l'avis de la doxa musulmane. Les juifs répondent en disant que Jérusalem n'est cité qu'une fois dans le Coran, alors qu'il est cité 950 fois, je ne sais plus combien, dans la Bible. Donc il y a la dimension religieuse, fanatisme religieux sur là. Il y a historiquement le fait qu'Elban s'est toujours très intéressé à la question de Palestine et qu'il y a des Palestiniens en Égypte. Donc, c'est-à-dire on les voit, on entend leurs souffrances, etc., etc. Et puis il se trouve qu'il ne faut pas sous-estimer le poids des leaders d'opinion, et les leaders d'opinion ne parlent pas de la Chine ou pour la Birmanie, ils se mobilisent moins, bien sûr, mais ils se mobilisent, mais aucun leader d'opinion n'a jugé bon de s'occuper de la Chine. Donc ils ne savent peut-être pas qu'il est... Un des trucs qu'on sous-estime, et je le dis pour défendre les musulmans, c'est l'information n'est souvent pas là. Oui, merci beaucoup, M. Tawfiq Aklinandos. Une question que je pose à Mademoiselle Madame Fadila Maroufi, en ce qui concerne, vous savez bien que actuellement nous sommes dans la troisième génération des immigrés en Belgique. Pourquoi l'antigrisme est un peu grave chez la troisième et quatrième génération que la première génération? En fait, comme je vous l'expliquais, en fait, c'est que nos grands-parents et pour certains donc nos parents qui sont venus donc les premiers ici en Belgique, ils avaient une pratique de l'islam mais qui était soft, c'est-à-dire qu'ils pratiquaient leur islam mais c'était pas ça ne commandait pas chaque geste et leur vie, etc. Ils s'en préoccupaient pas à chaque instant. Quand il a commencé à y avoir cette vague en fait de lieux mosquées avec ces prêches, etc. Là, on a éduqué en fait la troisième, la quatrième, la cinquième génération à une pratique de l'islam plus rigoriste et qui gère en fait chaque chose du quotidien de la vie. Que ce soit sortir de chez soi, que ce soit rendre visite à une personne, chaque geste en fait doit être surveillé.
pour aller au paradis. En fait, c'est vraiment tout simple, en fait. C'est que c'est vraiment la pratique au quotidien. Si vous voulez, ce qui est, c'est que les personnes, tous les gestes qu'ils font, c'est pour leur salut. Et donc, finalement, ils sont suivis par ces groupes. Il n'y a pas un seul acte dans leur journée ou dans leur soirée qui n'est pas en rapport avec le religieux. Et c'est cet apprentissage-là qui va faire qu'il va y avoir une pratique très rigoriste où on va aussi surveiller son voisin parce que ça fait partie, on va leur dire que ça fait partie de la pratique d'amener son frère à faire attention, à ne pas sortir du religieux. C'est ça, si je puis me permettre, l'espace normatif du halal, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est en permanence dans un univers où il faut toujours agir, penser au mieux, avec toujours cette idée qu'on va accumuler des asanats, c'est-à-dire des bons points pour aller au paradis. Et c'est quelque chose qui s'est installé, c'est ça, avec cette économie du halal dans les années 90, pour la Belgique, 90, et qui est très préoccupant parce qu'on a une population qui est de plus en plus auto-centrée et qui a de moins en moins de relations, pas seulement avec les juifs, mais avec les chrétiens ou tous les autres. C'est vraiment les gens du livre, ça n'existe plus. Hein, c'est pas seulement les juifs qui étaient véritables avant, il y avait des chrétiens autrefois qui étaient véritablement chrétiens. Aujourd'hui, il n'y a plus ces gens du livre, donc la communauté musulmane est complètement dans un œuf, en fait. Merci. Une autre question à Fadila Marofi. En ce qui concerne, par exemple, je veux savoir pourquoi la Belgique a des problèmes de l'intégrisme chez les jeunes maghrébins. Si on fait la comparaison, par exemple, avec la France, et on sait bien que la France, les immigrés de la France, par exemple, sont la plupart sont des Kabyles de l'Algérie et les soucis du sud du Maroc. Alors que les immigrants en Belgique, la Hollande et l'Allemagne sont des riffins du nord du Maroc. Est-ce qu'il y a un problème de culture ou quelque chose comme ça? Non, il y a autant de Marocains que d'Algériens en France. Je ne pense pas que ce soit une question de région. Par contre, c'est vrai que je vais te laisser, Fadila, mais c'est vrai qu'à Bruxelles, il y a beaucoup de gens du RIF. Oui, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'à Bruxelles, il y a énormément de gens du RIF et une ville en particulier qui est bien présente, c'est celle de Nador notamment, même si on retrouve d'autres comme Oujda, Tanger, etc. Et il y a cette particularité chez les gens de Nador, c'est qu'il y a déjà cette façon d'être dans l'entre-soi. Il y avait déjà un racisme qui existe vis-à-vis d'autres personnes, d'autres groupes, non, même du Maroc. C'est-à-dire qu'une personne de Nador, il y a 20 ans, on n'allait pas épouser une personne de Rabat, etc. C'était mal vu, en tout cas pour les filles. Maintenant, je dirais que après, ce qu'il y a surtout, ce qui a enclenché, c'est qu'à Bruxelles notamment, c'est qu'on avait un groupe de jeunes qui sont dans l'économie parallèle souterraine et qui est plutôt dans tout ce qui est trafic de drogue, deal shit, trafic d'armes, etc. Et il y a eu un mélange entre ça aussi et l'islamisme. Un islamisme qui est apparu, comme je le disais, des pays du Golfe, mais pas que. Il y a aussi eu un moment dans les années 90, avec ce qui s'est passé en Algérie avec le fils, il y a énormément par la suite des gens qui sont venus se réfugier à Bruxelles et ils n'ont pas été surveillés. Et du coup, ces gens-là, en fait, ont endoctriné d'autres jeunes à devenir plutôt des combattants et des djihadistes, en fait. Merci. Oui, puis ça correspondait aussi pour Bruxelles à une ville qui était de plus en plus démographiquement musulmane. Et donc, à un moment donné, il y a eu un point de bascule. On le voit d'ailleurs dans la presse. À partir des années 2010, la question du vote musulman devient absolument taboue. C'est impossible d'en parler. Et plus on voit pourtant les votes, par exemple, les votes musulmans vont à gauche, les votes des juifs vont à droite, et plus il y a cette polarisation et moins on en parle. Merci beaucoup. Une question à professeur Tawfiq Akhilmandos en ce qui concerne le double visage des frères musulmans. Le visage des musulmans et des salafistes dans les pays musulmans et un visage
on peut dire, un visage laïque en Europe. Je vous donne l'exemple, ou je cite ici l'exemple de Tariq Ramadan. Comment peut-on expliquer le double visage des frères musulmans? Les frères musulmans, c'est comment vous dire, je vous disais, c'est une secte qui coopte, et en général, ses critères de cooptation sont, ils vivent d'une manière conforme à l'islam. Ce critère est assez soft, c'est-à-dire d'ensemble, vous pouvez avoir des gens qui serrent la main des femmes, d'autres qui voient une femme, même voilée, se retournent et commencent à demander à Dieu de les protéger de la tentation. Tariq Ramadan, que je n'aime pas, a fait partie de l'aile réformatrice des frères. Je ne parle pas de son frère. Lui était un des frères réformateurs. Ils sont en minorité. Tariq Ramadan, dans un sens, vu le fait qu'il passait bien à la télé, qu'il était beau, qu'il avait une aura incontestable auprès de la jeunesse musulmane, la confrérie l'a mis en avant. C'est pas tout à fait le même type de charisme. En Égypte, vous avez Amen et Foutour, moderne, médecin, modéré, disant des choses, disant qu'il pouvait accepter un président de la République chrétien. Mais quand vous regardez l'organigramme de la confrérie, ils ne comptent pas. Ce sont des gens qui ne comptent pas. L'organe de la confrérie, les initiés, si vous voulez, je ne l'ai pas dit, la confrérie est une colonne vertébrale de Dieu qui contrôle tout l'appareil et qui est entourée d'un corps où il y a de tout. Il y a de tout, il n'y a pas de laïcs et il n'y a pas de musulmans, on peut avoir des musulmans buvant de l'alcool, mais en général des musulmans pieux qui respectent l'éthique musulmane. Mais ça, je vous dis, ça peut être des gens qui serrent la main aux femmes, d'autres qui ne serrent pas, certains sont démocrates, d'autres ne sont pas, certains sont antisémites, d'autres pensent que les coptes c'est pire, enfin je parle en égyptien. Il y a énormément de monde dans la confrérie et c'est pour ça qu'il est facile de véhiculer des trucs qui sont caractérisés pour rien. La colonne vertébrale maléfique, ou à l'écoute bien, si vous voulez. C'est-à-dire, elle pense qu'il n'y a pas de musulmans sur Terre, à part ceux qui font partie de la confrérie, qu'il faut conquérir la planète, et qu'il n'y a aucun problème à mentir, et une manière de mentir, c'est de montrer ceux qui sont plus présentables à la télé. L'homme fort des frères musulmans, Khair At-Chantri, vous ne l'auriez jamais vu avant 2011. Merci beaucoup. Donc, nous avons arrivé maintenant à la fin de notre conférence. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Georges Bensoussan, Daniel Sibouni, Jamila Belhabib, Joël Kotik, Professeur Tofik Aklimandos, Docteur Florence Begou, Fadila Maroufi. Je vous remercie beaucoup pour votre temps et pour vos interventions. J'espère que nous aurons encore une autre occasion pour se rencontrer et pour. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Thanks for joining us today, everyone. It was a pleasure hosting this two-part conference, exploring anti-Semitism and coming from the North Africa region. You can get in the future. Thanks to all the speakers and the excellent interpretation, and to everyone's contributions, and made it all possible. Hope to see you again in the future, and take care and be well. Thank you.